And that winner is Dragon Age Inquisition. And the winner for Game of the Year 2015 is The Witcher 3. Game of the Year at the Game Awards 2016 is Overwatch. And the Game Award goes to Legend of Zelda Breath of the Wild. All right, and the Game Award for Game of the Year goes to. Salut à tous, salut à toutes, et hey bienvenue dans cet épisode 16! Ah ah C'est le gothi. C'est Goti Dans cet épisode gothi. 16, oui, vous l'avez compris euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes un habitué de Coop et Canap, c'est effectivement l'épisode du Goti, nous avons sorti nos plus beaux costumes quatre pièces bumer et nos cravates en saumon fumé <laughs> et nos cravates nos en saumon fumé marbre. Nos chaussettes en marbre parce que oui, ça y est, nous y sommes, la fin de l'année arrive, encore une année de plus qui nous approche de la mort, et oui c'est aussi ça, On en Pardon. Joyeux C'était un succès. Ah ouais, d'accord. On fait racont... des références aux épisodes <laughs> d'avant. Ouais. Il y a trois. Euh, non voilà, on est on est très très heureux encore de, de cette année et, euh, et on est d'autant plus content que ça y est, c'est l'épisode du Gauthier. Alors vous vous ne le voyez pas parce que c'est tout, tout ça est caché, tout ça est caché aux spectateurs, mais. Mais là, on vient d'enregistrer l'épisode 15 qui a déjà duré 2h45. Donc autant vous dire, j'en plus. On est à bout. Mais c'est pas grave parce qu'on chausse nos plus beaux stars Je l'ai déjà fait ça, non Ouais. Donc c'est parti. au programme, de cet épisode, on va commencer par un petit bilan de 2019. Ce qu'on en a pensé, ce qu'on a retenu de cette année. Le mec qui valide à chaque <laughs> fois. Ok, ça d'accord. <laughs> C'est <laughs> en, Ensuite, on tournera un œil vers le futur, nos YOLO <laughs> et nos Osef pour 2020. Et enfin, enfin, on laissera place à la fameuse cérémonie de dénomination du jeu de l'année, ouais. euh, qui, qui cette année promet d'être absolument démoniaque. Les copains, est-ce que vous êtes prêts Chaud. Chaud Ouais, faut le dire, voilà. Ouais, un... ah, non, <laughs> ça marche, non, non. ok, je valide. <laughs> Et euh, c'est parti quoi, pour... Nico. <laughs> c'est parti pour cet épisode du gothi. Il n'est pas aidé. Hein. Messieurs, je vous ai demandé un petit peu de choisir justement... Euh, enfin, en tout cas, de, 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 de préparer un petit bilan de l'année 2019. Euh, William, honneur aux nouveaux arrivants. Qu'as-tu pensé de cette année 2019 dans le gaming Un petit bilan personnel, bah, j'ai trouvé l'année un peu, moi je dirais, légère en big hit. Mm -hmm. J'ai écrit. cest à en on gros, a eu de... a. Ouais, voilà, on a eu des bons jeux indépendants. Enfin, on a eu des très bons jeux, euh, des bons remakes, mais pas de gros hits comme l'année dernière, quoi. La Red Dead Redemption ou. Euh, God, God of War, War. l'an dernier ouais. aussi. Ouais, Il y a ouais. eu Borderlands est qui était nice. euh, un bon jeu. Voilà. Jusqu'à <laughs> l'arrivée. de Death <rire> <rire> voilà. Et c'est pour ça que lui, il, il va quoi, arriver. Ouais. Euh, ça va être mon petit poulain. Euh, c'est à cet épisode, j'annonce. Donc voilà, jusqu'à l'arrivée de Death Stranding Donc heureusement, c'est celui qui sauve un peu les meubles parce que sinon, on avait vraiment aucun, aucun jeu triple. Comme je disais, il y avait aussi Borderlands, mais même si c'était un excellent jeu. Il y a pas, il y a pas de ouais. surprise. Bien pas sûr, c'est vrai. Euh, voilà. Donc voilà. Et aussi grosse grosse déception sur euh, le quiz et puis j'ai toujours pas de victoire <laughs> et ça c'était ah ouais. je, je, je en vais pas m'endormir, fait... hein, vraiment ouais, 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 comme ouais, j'aurais pas cette vite, victoire euh, ouais, sera, et même sera, si euh... ouais merci John je j'aurais pas accepté de, de gagner comme ça ouais, mais euh... bah, ça sera pour 2020 quoi, ça quoi, sera je pour, je pour, pour pas... 2025 peut-être peut on sait pas hein, c'est ouais. qu'en fait j'aurais pas laissé gagner même si euh ah, alors personnellement je trouve que 2019 c'est clairement un des meilleurs mélésimes de la décennie ah euh, oui, oui. Ouais, parce que il je trouve qu'il y a beaucoup de gothi potentiel. Enfin moi ça faisait longtemps que j'ai ah, ouais. Alors, il ouais. y, y, a, y a eu il des belles années avec des très gros jeux. Ouais. Ça c'est clair, mais c'est plus des gros AAA qui ont marqué qui ont marqué le temps. Mmh. Mais là, je trouve que on a eu une vague de jeux euh, beaucoup d'indépendants qui ont qui vont vraiment qui m'ont vraiment touché, marqué. Ouais. Et euh, ce qui est cool, c'est que c'est pas forcément c'est tous dans, enfin, c'est plus dans des dans tous des sites différents en fait. Mmh. Genre, t'as de, de, de RPG, t'as de l'action, t'as de l'aventure, t'as de l'exploration, enfin ouais. t'as vraiment que, plein de trucs différents. L'offre est vachement diversifiée voilà, en fait ça, euh, ouais. pour qui voudrait jouer à un très bon jeu. Ouais, mais as du fait eu que ce soit une pas sorte des de. Là. Oui, absolument, absolument. Ah ouais, là, complètement. La, la... Ouais, voilà. Et euh, par contre, bon, j'ai été déçu quand même par, ma, par pas mal de jeux que j'attendais, donc ça me fait un peu peur pour Cyberpunk. Ouais. Ouais. Comme euh, Outer Worlds. Euh, j'ai bien aimé The Outer Worlds et Gridfall, mais je m'attendais à beaucoup mieux, en fait. j'attendais beaucoup plus de choses parce que c'était ouais. des jeux que j'attendais en fait. Ouais. Donc en fait, j'ai été vraiment. Euh, j'ai réellement apprécié euh, certains jeux parce que je les attendais pas au final. Mmh. Et, euh, et ben voilà. Oui, ouais, bah ouais, c'est ouais. très bien. Ouais, John, qu'est-ce ouais, qu que t'en as pensé toi de cette année Alors, moi, euh, déjà petit bilan perso, mais de, du, des jeux auxquels j'ai joué. Mmh. Je me rends compte j'ai joué quand même pas mal de jeux. Genre. Euh, une trentaine mmh. en fait des jeux de 2019 alors quand je dis jouer c'est des fois j'ai joué une demi-heure demi-heure, ouais. Ouais, ouais. mais, mais c'est vrai j'ai essayé de toucher à plein de trucs <coughs> et euh, j'en ai quand même une douzaine terminée donc euh, certains je suis proche hein. Pokémon, Redfall je suis juste sur la fin, mmh. Disco euh, je touche vraiment au bout ouais. enfin, est... Ah. Et, euh, et en fait je me suis surtout rendu compte dans la, 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 la liste des jeux c'est que les double A les indies prennent une part hyper importante dans, dans tout ce que j'ai joué et, euh, et en fait c'est vraiment ce besoin d'expérience nouvelle et différente, ouais, elle, est elle est apportée par cela. Mm. Parce que globalement, en fait, je m'intéresse de plus en plus à, à cela, hein, enfin, mm -hmm. à ce type de jeu. Et euh, ça a été prolifique, hein, comme il a dit, euh, comme il a dit euh, Joris. Cette année, c'est prolifique en, en 1D et AAA. Et, euh, et ouais, tous les go-types essentiels, mais la Death Stranding, par exemple, dedans, euh, qui, qui, dans les AAA, mais dans les autres, souvent, c'est des, des Pour des moi, c'est des 1 avec... Parce qu'en ouais. fait, les AAA, de leur côté, bah, ils, ils sont là pour comme d'hab plaire à la masse ouais. mmh. et peu de prise de risque et de nouveauté mmh. euh, même chose dans les autres arts hein, comme le cinéma et tout c'est la même ouais, chose ouais, en souvent, fait ouais, vrai, mais et donc on nous réchauffe la même chose ça se voit à 100 km que le jeu des fois il va se planter salut mmh. Anthem mmh. franchement ça se voyait avant et, et, tout tout et parce qu que, que aussi ça. jeu service mmh. et, euh, et donc euh, on sait que Avengers potentiellement il... enfin, mh, enfin je, je, je mets un billet hein, pour le fait qu'il se plante parce que c'est un jeu service qui va pas te casser trois pattes à un canard enfin je le sens, euh, je le sens trop et alors que bah, les, les indés les double A bah, ils tentent des choses ils, avec peu de moyens et souvent c'est ce qui leur permet de se surpasser Bien sûr. genre Uplight ouais. euh, Tail il m'a coaché parce que euh, c'est une petite équipe de 20, 30, 40 personnes je sais plus mais ils ont sorti un truc qui visuellement talonne les, les, les plus grands même si après on voit les limites techniques et les moyens voilà et euh, mais à part ça, euh, aussi les côtés annonces euh, pour les mois à venir, grâce aux différents événements. Bah en fait, c'est les événements qui a eu cette année, comme Gamescom et compagnie, qui, euh, bah, qui m'ont bien plu parce que bah, enfin, on attend la suite de certains gros trucs, comme euh, je ne parle pas des générations de consoles, mais euh, Cyberpunk, euh, The Last of Us 2, euh, Breath of the Wild 2. On arrive ouais, à la en fin de fait, la génération. En euh, fait, c'est les annonces ouais. en 2019 pour 2020 qui m'ont aussi hypé, tu ouais, vois, et donc euh, vrai. ça promet une belle année 2020. Mais, ouais. mais c'est vrai, comme tu dis, euh, juste pour revenir sur les, les AAA, au final, le seul AAA qui, euh, comme on en disait dans l'épisode précédent, c'est *The C'est le seul AAA ouais. qui, qui a osé innover. C'est seul qui a osé. C'est ouais, ouais. ouais. comme euh, ouais, c'est comme dans le dans ça. le cinéma où les gros films ouais. qui osent, ben bah, en fait, euh, ils sortent du lot. Euh... Ouais, c'est vrai, bien sûr, absolument. Bon voilà, belle année quand même. <laughs> ouais, euh, pour ma part, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, hein. moi, je trouve de toute façon de plus en plus que le, le jeu indépendant est vraiment un, un terrain d'expression euh, aussi vaste que que, que, que divers, euh, que diversifié. Hein. C'est-à-dire qu'on a on a énormément de jeux qui sortent, qui sont qui sont tous différents les uns des autres. Enfin, je veux dire, cette année, j'ai joué à des jeux de à des jeux de, de vélo, alors que j'avais jamais. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je m'en fous euh, J'ai je, je, joué à, à des RPG, euh, des RPG super costauds. Mais parce qu'ils avaient une autre approche du, du RPG mm -hmm. euh, qui m'a beaucoup plus plu. Euh, j'ai joué à un, à un jeu d'exploration, j'ai joué. Et, 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 et toutes ces expériences-là, tu ne les as pas quand tu joues à Tomb Raider 4 ou quand tu joues à, à Uncharted 5. Enfin, ouais. bon, Uncharted, ça reste ouais. une, une, mais... Une qualitatif, mais, mais tu vois, c'est pas. Il surprise. Il y, y a moins de surprises voilà. tu, tu les, re, tu le les vois pour faire, voilà, pour faire le taf. Et c'est vrai que cette année particulièrement, t'avais. Et au final, quand on va voir justement la liste des, des, des jeux qui ont été choisis. Enfin, les jeux indépendants, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, quoi. Et pourtant, on a un roguelike, hein. Et pourtant, il y a des roguelikes. Oui, Mais... ouais. ouais il n'y en a pas deux qui se ressemblent c'est ça qui est, qui est très intéressant moi je voudrais euh, juste euh, lâcher, lâcher mes deux balles euh, sur le Xbox Game Pass PC parce que je trouve que cette année euh, ah oui, cette année c'était ouais. vraiment le truc qui m'a soufflé je trouve que l'offre est, est dingue euh, que partager en plus si t'as ta Xbox euh, partager avec, avec, avec ta console enfin je trouve vraiment que, que en tout cas pour démarrer parce que comme tu dis 2020 il va y avoir les nouvelles consoles bah, pour démarrer les nouvelles consoles d'avoir ça qui est déjà en place je, je trouve que c'est un atout euh, exceptionnel, voilà. Et, euh, et cette année, bah, j'en ai vachement profité du Xbox. Ah Xbox. Oui, Il y a plein de jeux que j'ai refait plein de jeux que j'ai je, récupéré Alors que je les avais pas fait je suis très content d'avoir Halo Reach là que, que, que je vais jouer aussi prochainement. <rire> Donc, t'as <laughs> qui m'a blague <laughs> Ah oui, vous savez que ouais, ouais. fallait écouter ah, le précédent ah ouais épisode, c'est dans le dans euh, le ouais. go et Canap univers numéro 15. <laughs> ça. Euh, donc voilà, pareil, bonne année 2019, mais chiche en, en gros triple A qui, qui tâchent, quoi. Enfin et, et qui sont de qualité parce qu'il y a eu Anthem. Quand même. <laughs> euh... On a eu un très haut aussi euh, pas mais culpa de Ubisoft, mais qui a quand même euh, qui a sorti les, qui a sorti ses chiffres en septembre ou octobre. Ouais. Et qui a, qu a clairement dit que bah, bah écoutez nos jeux, Et sont pourris. Ouais, quoi. ça c'est bien ça. Ouais. C'est -ce bien comme initiative. Est-ce que les jeux euh, Nintendo, on peut les mettre dans les AAA Je sais pas les situer. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais, en fait, non mais c'est 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 dur. Oui. Attends, bah bah, je bah je oui. Bien sûr AAA, que oui. Bah oui. Pour... <rire> <rire> bon, Sortez le podcast. <laughs> non mais bah, d'accord. Mais voilà, bah Nintendo qui euh, fait son Nintendo, donc euh, il ils arrivent à nous surprendre, mais ouais. tu vois, ils, ils essaient de pas trop sortir des sentiers battus non plus tu vois ouais, pour Luigi's uh, mansion est très bien mais mm. ça reste quand même uh, l'évolution de ce qu'ils ont fait, Pokémon pareil. Mm. Il n'y a rien de nouveau-nouveau non plus chez Nintendo. Enfin, je veux dire, ouais, moi, je, ça, moi, j'ai je, je, beau adorer Nintendo... Ouais, c'est des triple A quand même, je veux ouais, dire. Ouais, non, mais d'accord, Joris, mais bon... <laughs> On est épuisé. Okay, euh, est... Euh, Donc, non, mais je... voilà, non, mais c'est oui, euh, mm. je suis d'accord, Nintendo a fait une, une plutôt belle année, même si ça vaut pas 2017 ou 2018, mais mais euh, Nintendo a fait une plutôt belle année. Mais c'est vrai qu'au final, il n'y a rien de, de trop nouveau qui est sorti. Et puis, ce qui était trop nouveau, c'était Demon X Machina, qui était franchement bof. enfin euh, on est content que ce soit passé d'ailleurs comme ça au moins ils pourront arrêter de communiquer ouais, dessus. Enfin tu vois c'est voilà enfin c'est toujours euh... ouais bon enfin bref. Donc euh, donc voilà pour pour 2019. Bon. Euh, on passe à la suite, on passe à euh, ce qu'on attend. Mais il a craqué ou quoi Comment <laughs> tu parles à Nico <laughs> c est c est Le joli. chef lui qui dit on passe. Ah oui. <laughs> ça marche Ouais. <laughs> <laughs> Allez, on passe. Au... Le montage de cet épisode, c'est être coton. Euh, on va passer donc aux à nos Yolo et nos Ozef pour pour 2020, ce qu'on attend, ce qu'on attend moins ou ce dont on a absolument rien à foutre pour 2020. C'est parti. Alors, pour démarrer, on va démarrer par les YOLO de bronze, les jeux qu'on attend. Donc, on, on, a galé, on, a, on a calé ça bronze, argent et or pour euh, ce qu'on attend le plus pour l'année 2020. Euh, YOLO de bronze, pour ma part, ça sera Hollow Knight Silksong. On en reparlera tout à l'heure, donc pas la peine de, de, de s'éterniser là-dessus. Euh, Joris Alors, moi, mis à la base, j'ai mis Elden Ring, donc le prochain de From Software. Ouais. Mais en fait, je ne suis vraiment pas sûr qu'il sorte en 2020. Non. Ah donc oui, euh, c'est vrai. Ouais. 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 Du coup, en fait, euh, je pense mettre plutôt Empire Sin. Qui est le prochain jeu de Romero, ah, le papa de, de Doom, je crois bien. Ah, euh, oui. Qui est en fait un mélange entre XCOM, un, un jeu de gestion et XCOM, mm -hmm. où en fait tu vas pouvoir gérer ta, 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 ta famille de mafia, mafia en fait, euh, à l'époque de la Prohibition, je crois, si, je crois, je crois bien que c'est ça. Et euh, du coup tu vas devoir, je pense, gérer les quartiers, etc. et avoir des, des phases de gunfight avec, euh, oui. à la XCOM. Et ça, ça bon. me peu ouais, plutôt bien. Ouais, ça un peu, ouais. Ok. Euh, John Alors moi, euh, en bronze, il y a. Bon parce que je suis un gros fanboy, c'est Overwatch 2, mmh. même si, euh, bon bref, c'est... Ah, on sait, ne sait pas où on met en fait, les pieds encore. C'est hein. mitigé. Ouais, bah ouais. Et donc je, je le garde quand même en sous-hype, mmh. on ne sait jamais. Mais aussi j'en ai un deuxième, parce que euh, c'est Flight Simulator 2020. Oui, ouais. mais je ne l'attendais pas là. C'est une... Euh... En fait, visuellement, c'est tellement une claque que ouais. je, je veux le tester ce truc ouais. et, euh, et aussi sachant que parce que c'est derrière, euh, t'avais peut-être dû en parler, mais j'étais pas là en fait dans les news. Oui, c'est vrai. Donc vrai. Euh, que c'est Asobo euh, euh, Studio ouais, qui, euh, qui gère ça derrière. Le studio et, bordelais. Oui. Studio bordelais derrière Plague Tail, donc euh, en fait, ouais. bon. Donc euh, voilà. En fait, c'est juste pour le, le, le côté euh, ouais, petite simulation d'avion dans un truc qui. Est... Et puis la promesse technique. Voilà. C'est juste pour ça. Hein, ouais. Et dans le Game Pass. <laughs> et non, on n'a oui, ouais. pas payé hein, pour dire ça. Non, ouais, c'est vrai, putain. J'aimerais <laughs> bien. Il ouais, que... y a moyen d'essayer de, 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 de gratter un, un, un tweet. Parce... Ouais. Euh, euh, William. Oui, moi j'ai mis Legend of Runeterra, mm -hmm. donc, euh, le jeu de cartes de, de Riot. Mm -hmm. voilà. bon, je suis fan de, de, de jeux de cartes, donc Slice of Spire et de Riot. Le combo, le je vais remote, voir ce que ça donne ouais. l'année prochaine. YOLO d'argent pour ma part et pour la part de William. FF7 Remake. Ouais, clairement. C'est le meilleur Final Fantasy. Pour moi, j'ai ouais. ouais, envie que... de voir ce qu'ils ouais, 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 qu ont fait. Et puis, en plus, pour le coup, c'est assez rassurant parce qu'il disait que, ils que bah, voilà, effectivement, ça sera un épisode 1, mais ça sera quand même un épisode jouable à part entière et tu auras pas l'impression de louper une partie de l'histoire oui. euh, en jouant à ça. Parce que, en fait, tu auras quand même un début et une fin, et même si, effectivement, ça va se continuer, mais euh, on parle de remake, c'est vraiment un, un ah, reboot, c'est une un, adaptation, ouais. ça n'a rien à voir pas le, le, le avec jeu... le matériau initial. Oui, c'est pas Oddworld oui, C'est pas rien. Juste, non. juste pour savoir Parce qu'en fait J'ai jamais trop suivi Les news sur FF7 Remake ouais. euh, En fait, ça va sortir Ça va être une, une sortie épisodique C'est ça, ça Oui, être... mais en fait Le truc, si tu veux C'est qu'au début Ils étaient même pas sûrs De le faire Donc c'est-à-dire Qu'ils ont fait un épisode 1 Ah voilà Mais ça, ça existe en sur, sur Steam ans. hein Ça non, existe non, non. sur Steam, non L'épisode 1, de... J'ai pas... Ah je... Non, non, non Là, Ils vont ils le faire J'ai rien suivi Ils vont le faire Mais... Ah, ça c'est l'épisode 1 Qui sort en mars qui sort en mars prochain, c'est d'accord, okay. ouais, c'est ça. Ouais. Et, et mais mais il a pas, il a même pas pour non épisode 1. C'est-à-dire que ça sera quand même un, un, une expérience d'une trente quarantaine d'heures euh, qui sera une histoire finie, tu vois. Mais qui sera quand même le début de l'histoire ouais, de Final Fantasy Ils ont VII. pas dit épisode 1, c'est peut-être pour pas se faire chier dessus, en fait. Et ils le diront au dernier moment que c'est juste la ah, non. moitié euh, Ils l'ont dit, ils l'ont dit que c'était pas du tout le jeu. Que, ouais. que ça se passait que dans Midgar, mais que ce serait, euh, que ce ouais, serait une victoire bah, Ah non, mais je suis très ah, curieux. Bah ouais, je suis voilà, très est curieux. Est-ce est que c'est, est-ce que, bah, est-ce que c'est juste, ils ont refait un, un reboot de FF7 et ont condensé tout dans un épisode euh, plus petit? Ou est-ce que c'est vraiment genre bah, c'est la, qui... la moitié du jeu C'est la moitié du jeu. C'est plus la moitié du jeu. Voilà d'accord, OK c'est le... parce à que, que à la base le Final Fantasy VII, je suis à 30 heures de jeu sur PC, je l'ai pas j'ai j'ai parfaitement déjà tu as au moins 50 60 heures de ouais, jeu ouais, voilà, sur le jeu. Ouais, ouais. OK, ça marche. Non, donc c'est pas vraiment... déconner de le mais, faire mais en mais même enfin, c'est l'impression que c'est un peu à la limite entre le nouveau jeu, enfin presque tu sais une adaptation comme tu un livre au cinéma, tu vois, une vraie revisite du jeu pour l'adapter au format d'aujourd'hui. Enfin c'est vraiment en tout cas c'est un exercice, j'ai pas l'impression que ça ait déjà été fait. À ce point, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je suis d'autant plus curieux, donc déjà parce que les premiers retours sont vachement bons, en ouais, fait, ça hein bien. donc ça a l'air vraiment très bien. Et en plus, parce que je suis vraiment très curieux de bah, qu'est-ce que ça signifie, ce, 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 cette adaptation-là. D'accord. John? Euh, moi, il y a 12, eh oui, oui, 12 minutes. Oui, euh, oui, j'avais vu dans le. C'était à l'E3 dans le, le 3, je je pense dans pense ouais, ouais, truc ouais, euh, ouais. Microsoft. Ouais. Donc, en euh, faisant, bah, il n'y a pas plus d'infos, mais mmh. normalement, c'est courant 2020. Mmh. Et en fait, après, il y a tellement de trucs dans l'indé et tout, mais il y a aussi les jeux dont Node. Donc Twin Mirror, qui est annoncé depuis un moment, mais normalement c'est 2020, et le Tell Me Why, dont on a entendu parler récemment. Et donc voilà, de toute façon, les jeux dont Node, ils me hypent bien, donc j'attends de voir. Après, j'espère qu'ils vont pas un peu faire la même sauce que quand c'était Telltale, parce que qui comprennent pas leur concept à C'est ça, c'est ça que là, je suis hypé, mais j'attends de voir. Ouais. Pour ouais, euh, voir s'ils si, euh, arrivent à se renouveler à chaque fois et à raconter ouais. des bonnes histoires euh, avec leur concept, mais quand même des bonnes histoires. Joris euh, Bah, moi, comme, comme le, le, le YOLO bronze pour le tien, mm -hmm. euh, Hollow Knight euh, Silksong, ouais. euh, qui est la suite donc, de Hollow Knight. Qui, alors, les les rumeurs, quelles? Les, ouais, une sorte de. Ouais, mais enfin, -quelles, le, ouais, ouais, le, ouais, ouais. enfin ouais. je veux dire, c'est le. Ouais. Disons que. Alors, apparemment qu'il sortirait euh, en juin, il y a des rumeurs bon alors ça c'est ah, ça c'est des oui, rumeurs j'ai dû j'ai fouiller euh, dans les internets ah oui d'accord enfin, euh, ça a l'air vraiment cool ça, ça tu reprends l'essence du 1 avec Hornet euh, qui était le, un personnage secondaire du, du, du premier épisode euh, ça a l'air aussi beau ça a l'air encore plus 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 grand plus fou euh, et j Ouais fait ouais carrément et puis ouais beaucoup euh, plus joli aussi les premiers visuels sont ouais, très, ouais. très ouf euh, on va passer au yellow d'or mmh. ce qu'on attend le plus pour 2020 et là on est plutôt plutôt d'accord quand même hein. euh, je non. sais je pense que tout le monde est non est ouais, pas est... tout le monde non non, <laughs> non mais pas tout le monde mais <laughs> tous nos auditeurs auront compris de quel jeu on parle lui <laughs> dans dans la 3. <laughs> euh, donc joris non, lui, euh, john lui. et, et moi-même euh, attendons très très fort cyberpunk 2077 euh, ouais. euh, voilà c'est les promesses des promesses des promesses, donc j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Cinq ans d'attente. Ouais, on, on on dit beaucoup, euh, on attend les indés, on attend les double A, mais là on a un triple a qui nous, ben, nous ouais. fait envie. Bah, C'est a... pas The Witcher. Voilà. Bah, C'est surtout que ouais. ils, ont, ils ont des ambitions et des envies euh, qui, euh, qui on, on sent qu'ils peuvent faire, enfin ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois. Mm, mm, Ils ouais. sont ils sont pas là pour, euh, pour, pour plaire à tout le monde et ils font ce qu'ils ont envie quoi. Ouais, j oui, j'ai pas l'impression que ce soit le genre de triple a, effectivement, qui va rentrer dans, les, dans des cases qui sont, qui, sont, qui existent mm. déjà et tout. Je... On verra, hein, non, mais on verra. Ouais, J'ai un peu hein. peur, parce que justement, tu viens de dire ça, des hein. promesses, des promesses, des promesses. Oui, voilà. non. Ça. Alors, ça, ça, ça c'est contre... ça, ça, possible. Hein. Ah, ça, c'est possible que ouais, ce ça, soit ça. un gros pétard mouillé et qu'en fait, ah, euh, à la sortie, C'est ce ça, c'est d'expérience, d'expérience, les promesses, les promesses. Ah, moi, ça me fait <laughs> très peur, ça. Hein. ça voilà, ah, ça, absolument. John aussi Bah, The Last of Us 2. mais voilà. Rien de plus à dire, de toute façon, c'est tellement à fond sur le 1 que j'attends le 2, clairement. Euh, et William ouais, quand donc, même bah oui. Donc moi j'avais pas mis Cyberpunk quoi, j'ai mis Baldur's Gate 3. Oui ouais, 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 clairement le Divinity c'est dans mes top 5 jeux. Euh, en 2020. Ever mais ouais, juste. clairement, 6 sort en 2020. C'est pour va, ça, ça que tu l'as ah, pas mis d'ailleurs tu oui, dises, vrai, ouais. ça, ça pourrait mais je sais pas combien de ouais, c'est des... si. Oui, c'est ça, c'est le tu as joué aux anciens ou pas Ouais, 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 et mais en fait, dans les anciens, j'avais essayé de rejouer, mais c'est surtout que je voyais mon cousin qui jouait, ouais, qui a ça, passé des plus, heures. T'as plus une image, euh... j'ai envie d'y jouer au, au mien, quoi, et de le finir avec ouais. les, les mécanismes mmh. de Divinity Original 6. J'avais repris ouais. quand pendant les soldes de le Baldur's Gate 2 à j Giselle, essayé J'ai essayé, c'est chaud, c'est chaud. chaud. <laughs> <C 'est> chaud. <laughs> franchement, le vieux ouais, truc ah ouais, gra ouais. graphiquement, surtout ah, bah, qu'en plus, t'as une sorte d'écran 4 tiers, tu vois, tu peux pas le mettre vraiment en mode. Oh yes, à l'ancienne. Et en fait, le problème, c'est que je pense on n'est pas allé assez loin pour avoir les sorts et de gérer le combat. Il faut a vraiment kiffé. Le début, c'est long. 15h pour s'habituer. Ça met du temps à se déplacer. Euh... Ouais, c'est ouais. ça. Allez. Ok. Diverge. Alors maintenant, on va passer à nos ZEF hein, Les choses dont okay. on a absolument rien à foutre. Et qui, euh, mais qui vont quand même arriver en 2020. Et c'est important de le dire. Et William, c'est toi qui va commencer. Ouais. Avec... ZEF de bronze. Oui, avec euh, Marvel. Marvel, euh, comment il s'appelle encore euh, Avengers. Euh, Marvel Avengers. Ah oui. Ouais, ça pue. Beau ZEF ouais. Comme ouais. tu dis, il bah, y avait quand même des belles promesses au niveau du gameplay. Tu as l'air d'avoir des gameplays qui mmh. changent et tout. Des phases de gameplay qui et changent. c'est un jeu service. Ouais. ouais non mais ça pue voilà ça, ça, Et... <laughs> ça, en fait je pense on n'a pas besoin de débattre en fait de ça, fait... ça un... <laughs> pue si ça pue mais tu sens quand même que ça pue. ah ouais c'est ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça. ça pue, non après je pense que c'est typiquement le genre de truc si c'est plutôt bon tu te jetteras dessus parce que toi t'aimes bien Marvel oui ouais non mais non, jamais non. les jeux ouais. j'aime bien Marvel ouais. mais les jeux Marvel ça a toujours été de la merde ah d'accord ok je les ah, ce oh, Marvel c'est cool hein ouais les go Marvel c'est cool voilà John il euh, y en a plein. Hein. Ouais. Mais genre, euh... En fait, je parle d'Overwatch 2, mais je l'ai ah, aussi oui. dans, mes yeux, dans mes OZF. Ouais, oui. Parce que bah, j'attends... En fait, je suis mitigé. Je suis vraiment entre les deux catégories. Ouais, je comprends. Ah, hein. clairement. Je veux, moi, j'ai voir... vraiment peur du DLC pour Overwatch. Hein. Oui, oui. Euh, non, Du gros un DLC, DLC, quoi. Non, mais bon... moi, pour moi, c'est sûr c'est un DLC. Non, mais... Mais, sur... mais si, c'est bien. Pourquoi pas Tu un, DLC, pas un DLC, je ce que je veux dire Mais j'ai... Ah, on verra. Et même si je doute... Alors, ouais, j'ai FF7 remake, mais... Non, Parce que j'attends de voir. Ouais, d'accord. Ce qu'ils en font. Après, euh, moi, mon FF de cœur, ça reste le 9 <laughs> Donc, euh, oui. Non, mais après, personnelles. Perso bah, bah, voilà. On Faut <laughs> me juge pas. <laughs> non, mais mais t'as raison. C'est euh, ah, pour ça que je suis pas, je suis pas hypé de ouf. Mais euh, j'attends de voir ce qu'il les retours et si vraiment il y a une belle nouvelle proposition, mmh. tu vois, dans, dans le remake, ouais, ouais. Là, je me dis ah quand même. Ouais. Que ça remonte dans les Yolo euh, de bronze. D'accord. Donc donc à voir. Et y a Watch Dogs Légion. D'accord, très Parce bien. c'est un, en... un nouveau Ubisoft, euh, vous en reparlerez. <laughs> On en reparlera. Euh, pour ma part, moi, c'est l'avenir du streaming de Google Stadia, etc., et de tout ce, de tous merdiers merdier et de la VR qui me, qui me, qui me passe ah, au dessus. Life, ça te chauffe, hein <laughs> et en même temps, non, mais en même temps, c'est vrai que j'ai écrit ça avant Half-Life. J'aime bien, j'aime bien. La curiosité. C'est le futur, tout ça, mais dans 5 ans. Même pas, je suis même pas sûr. Je suis même oui, pas sûr si qu'il si y ait si vraiment oui. un public pour, du, pour, le, pour la VR. Euh, pour, le, pour le streaming, je dis pas. Hein. Oui, streaming, Pour oui. le streaming, je pense qu'il y a un public et que, que ça va fonctionner euh, gentiment. La VR, ça. A... Mais si, la VR, VR je si, pas. si, mais VR, ah, sera, VR. Dans, dans 5-10 ans, ça sera la VR, t'auras plus de télé. Je sais pas, il disait, disait qu'on avait des voitures volantes. Oh. Ouais, exactement. <laughs> <laughs> exactement. 5-10 ans, 5-10 ans. <laughs> Euh, ouais. Moi on en reparle dans 10 ans, il y a On en parle dans le top 14. 10 ans 35. Exactement. et bah ben on voilà. fera ça. Euh, pour, pour le bronze, j'en ai pas mis en fait parce que euh, j'ai décidé de mettre vraiment les jeux. Qui me, qui, pas, qui me dégoûtait, mais qui me gavait. Tu vois, ouais, ouais. Et du coup, en fait, il y en a plein. Bah, Marvel, c'est vrai que je m'en fous complètement. Mais, je dire, ouais, ça en t'énerve fait, de... pas. Voilà, voilà, juste que, voilà, bah, tu, tu sais que c'est de la merde. Je l'avais oublié. Je, je vais passer mon année 2020, il va peut-être sortir, je vais même pas faire gaffe. <laughs> ouais. vu, donc pour le bon, j'en ai pas. William, maintenant, on va parler de ton OSEF d'argent. Mais bon, on en a déjà discuté. Pour les raisons que tu as déjà évoquées, effectivement. Joris. Alors moi, j'ai mis Dragon Ball Z k ka Ouais, je... Carotte. Euh... En fait, tout simplement parce que euh, j'attendais depuis un moment un, 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 un RPG Dragon Ball Z, sauf que j'ai vu des vidéos de gameplay. <laughs> C'est <c> chaud. <laughs> Ça, Ça est est chaud C'est pauvre, hein, parce que ben, oh. quand tu vois Vegeta qui traverse des plaines à toute vitesse et qui s'arrête dans un champ juste pour ramasser des carottes, il me dit bon, ouais. j'en ai un peu ça, rien à bon. foutre. Quoi. Ouais. Ça, ça, ça a, a, a pêché, etc. Ah, ouais, non, on, on peut pêcher. Ouais, pas. non, c'est <laughs> bon. Ouais, ça va. De euh, bah, toute façon, on aura vite, un, vite une réponse ouais, ouais, ouais. ça sort de, en janvier. Euh, et pour ma part, moi, mon zèf d'argent est dédié aux nouvelles générations de consoles. Alors, non pas que, effectivement, je pense que plus, plus ça va avancer, plus, plus, plus la hype va monter, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout que. Pour l'instant, on n'a pas de jeu. Et en fait, une console sans jeu, c'est euh, en gros un service dans lequel tu peux brancher un disque dur pour jouer, pour mmh. lire un DVD. Ma Freebox le fait. Donc, au final, <laughs> euh, on s'en bat <laughs> un peu les couilles. As des tu jeux vois, sur Freebox en plus, euh... hein <laughs> T'as des, <laughs> <T 'as> des <laughs> jeux sur Freebox. En plus, t'as des jeux sur Freebox. Bah exactement. C'est comme la Freebox. <laughs> donc, euh, donc du coup, du coup, bah à part Halo. Mais moi, je suis pas encore trop client d'Halo. Je le serai peut-être à ce moment-là, hein, parce que parce que je vais me faire toute la Masterchef collection cette année, je pense, en 2020. Donc, euh, donc. Allo voilà. Pourquoi Allo pour, pour, parce que c'est le seul jeu finalement le seul jeu dont on est sûr qu'il sortira sur les prochaines générations de consoles ah, c'est oui, le nouveau Halo parce qu'il achètera une... mais de toute façon il va, il va y être sur PC je crois hein. bah oui ouais, en, plus. en plus donc euh, j'aurais même ah, pas besoin le de l'acheter la, la Xbox dans le Game Pass ouais, ouais. 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 pour deux donc voilà moi je suis pas du tout hypé par ces consoles euh, je, je suis même pas sûr que le gap technique sera aussi impressionnant j'espère je, me tromper il y a des hein. SSD bah, voilà. voilà tu vois euh, <laughs> non mais je veux non, dire euh, non, non. voilà j'espère j'espère vraiment me tromper parce que si je me trompe au contraire c'est c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent ça et qui jouent sur console mais mais vraiment j'ai l'impression que ça va être euh, la PS4 plus et la Xbox One plus quoi enfin ouais, vraiment ouais, pour ouais. l'instant je suis pas je suis pas trop pas trop à fond là-dessus osèv d'or les, les, les rares sont les jeux qui peuvent parvenir à avoir un f ouais. d'or mmh, mais il euh, y, y en a un, un deux euh, <laughs> notamment pour William et pour John qui sont qui sont qui sont, qui sont là voilà fier fièrement dressé ouais je mmh. joue les yeux euh, ouais. pour oui, c'est pas grave. Ouais. Ah, c'est Joris, pardon. <laughs> c'est vrai. Ouais, Watch Dogs ah, ouais. bah tout simplement parce que c'est Ubisoft, que c'est encore ouais. un ouvert et que je m'en fous complètement. <laughs> même si la mécanique de à chaque de, 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 ouais, de, de mourir bien. et de repasser à un autre. Je pense que c'est complètement. Moi, moi c'est pour la dire. mécanique. Oui, c'est genre de truc ouais, voilà. qu euh, que tu vas jamais crever. C'est pour ça qu'il est que dans les bronzes pour moi, tu vois. Mais après, en fait, j'en ai quand même rien à foutre. Mais Enfin, Watch Dogs, enfin après je m'en suis battu les couilles du 1, 2, 3 ah, mais, mais c'est vrai que le 3 là je sais pas <laughs> j'ai eu un peu envie de ouais, bah, je paye 3, pour le 3 hein. Watch Dogs 1 à l'époque il m'avait hypé ouais, ouais. Oui. la vidéo de le 3 de jusqu'à l'année était complètement folle ouais. ah ça, oui oui, oui. c'était oui. ouais. les, les, les promesses voilà, voilà, alors, pour les ça. promesses Exactement. Euh, John Marvel Avenger bien sûr suivant <laughs> et pour ma part, bah écoute Animal Crossing, c'est vrai ah, que je m'en fous complètement d'Animal Crossing. Tu peux pas te faire des oeufs, tu ni fais des Ouais, c'est vrai, tu te dépattes. Écoute, c est, c est, c est, pourtant c'est vrai que c'est très Nicolas Corps, mais, euh, mais, euh, mais euh, je, je... ça rentre dans le Nicolas Vert. <laughs> ouais, ouais, mais celui-là, non, celui-là, ça m'intéresse pas du tout. Pas le droit d'entrer, lui. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est dommage parce que, ouais, mais en fait, parce que j'ai déjà joué à Animal Crossing et je m'y emmerde systématiquement. Donc c'est pour ça, et pour Pourtant, enfin, je suis plutôt client de Nintendo, hein, Mais là, c'est vrai que ça m'en me, ça touche une sans faire bouger. Donc bon, bah, on, verra, on verra, si ça, si, si, le, si, si les taux se resserrent, si ça, si, si ça. Les amis, ça y est, on y est. C'est l'heure du Gotti. <laughs> Allez. On va, on va faire Allez. place nette sur la table et c'est parti pour la cérémonie du Gotti. Et c'est. Parti, Jonathan euh, derrière toi il y a la casserole ouais. la fameuse casserole désormais mythique qui, qui, qui contient ouais il va falloir que tu te lèves euh, qui, va, qui va contenir donc les 21 jeux 21 jeux sélectionnés cette année effectivement euh, il y aura euh, notamment donc, euh, dans ces 21 jeux 20 jeux parmi les meilleurs de l'année euh, vraiment la crème de la crème hein, qu'on a décidé tous ensemble et Teamfight Tactics pour William <laughs> euh, le, le, le principe est toujours le même que celui de l'année dernière, c'est-à-dire que chacun notre tour, nous allons poser une question. Cette année, on, les a, on ne les pioche pas dans une, dans une, dans dans une, une sorte de euh... boîte de jeu on les a préparés elles sont en rapport avec les jeux de l'élection. La personne qui réussit cette question pioche deux jeux, et parmi ces deux jeux, elle doit en choisir un qu'elle élimine, et qui sera donc à la 21e place pour commencer, puis 20, puis 19, etc., etc., jusqu'à ce qu'on élise le jeu de l'année. On a le droit chacun à un veto. Ce veto est à utiliser uniquement lorsque la personne a dit les deux noms, et avant qu'elle choisisse qu'elle prenne, qu'elle son verdict. D'accord Ok. Euh, à, 15, à la 15e position, la 10e position, la 5e position, on fera une petite remise de prix annexe qu'on n'avait pas fait l'an dernier. Mais bon, voilà, de petits awards supplémentaires. Euh, ça mange pas de pain. Hein Des awards fait maison. Ouais. On oui. fait maison, exactement. ouais. On les a sculptés. Tu les as sculptés oui, tous je les sais, je ouais. Ouais. Ils sont juste là. Euh, on les remettra aux développeurs. Et, 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 et c'est tout. Willy Joris, grâce à ta victoire au quiz à l'épisode précédent, vrai, tu oublié. as déjà le droit de piocher les deux premiers noms. Attention, ah, Gauthier. Non. Gauthier 2019, c'est parti, c'est parti. J'ai toujours ce souvenir de Obra et Divinity 2. J'espère qu'il te rentre encore. Hein. <rire> tu, <rire> peux, tu peux te mettre un veto. Ouais. Tu peux t'auto-vertir ton veto. Tu peux te mettre un veto. Je suis deck d'entrée, je suis sûr. Attends. Je commence par Death Stranding, Hideo Kojima Game. Ouais. Et suivi de Sekiro, Shadow Die Twice. Joris, moi, je te laisse là-dedans. Hein. Je te laisse dans ce, dans oh, ce merdier. Vais... Okay, me je vais garder Death Stranding. Euh, non, pardon, attends, attends. J'élimine Sekiro. Oui, c'est ça. Oui, c'est voilà. ça, voilà. Bon. Tu élimines, donc, Sekiro, Sekiro. Oh là là, là, là. Euh... 21e. Donc, terrible. La 21e place, disons. Euh, bon, alors, déjà, 20 ça, ça va que je l'ai trouvé bien, mais pas non plus... Euh, c'est pas mon meilleur des, so des From, des from Software. Ouais. Je pense que s'il y a eu Dark un bon aussi, jeu depuis 2019, voilà, c'est un très très bon jeu, ça me fait chier qu'il de... sorte maintenant, sachant qu'il y a des grosses grosses dopes dans, dans le classement. <rire> mais <laughs> c'est le jeu, c'est le jeu. Le jeu. Mais <laughs> oui oui. Ouais. Je pas mais mais donc Il pense Kiro... à Pokémon aussi C'est quiro, c'est quoi Ben c'est le euh, c'est le dernier jeu des donc, euh, comme on l'a dit des papas de Dark Souls. Euh, globalement, on garde la même difficulté, voire plus dur, mm. mais on y joue un ninja qui est beaucoup plus habile et beaucoup plus maniable que les personnages Dark Souls. On a toujours un Levi Design qui est, qui est toujours aussi dingue, un vestiaire ouais. hyper conséquent, euh, mais c'est un, un, un très très bon jeu. Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Ça, moi aussi. Même moi, je m'y suis mis. C'est vrai que j'ai trouvé ça très bon. Par contre, le, le pic de difficulté, il y a un moment où j'ai dû arrêter. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais, mais ouais, ouais non, c'est un très bon jeu. Juriste, tu remets okay. Death Ranking dans la casserole et tu poses la première question. Attention, ça peut aller vite comme ça peut aller lentement. Ah <laughs> Ah, okay. ouais. ah, ça nous, ça, sonne ça sonne, ouais, là, là, là. Dans la bagnole là, les gens ils vont être réveillés hein, oh. Attention. Sekiro n'est pas le premier Dark Souls-like à avoir lieu à l'époque du Japon médiéval. Quel était son prédécesseur Ninja. Gaiden. Ninja Gaiden. C'est pas vraiment un Dark Souls-like. Ah, c'est pas un Dark Souls-like. Et eh, oui. C'est plus, c'est plus récent. Ah, non, ok, c'est bon. Euh, J'allais sur un jeu super... Plus récent que ça Ouais, je pense que c'est euh, 2014, je dirais, peut-être, 2015. Je, un... je connais le jeu, mais je n'ai pas le nom. Ah, quel dommage. Euh... Ils vont en sorti, ils vont sortir le 2 en mars, avril. J'ai pas le nom, ce sera pas. pas pour moi. Il y a eu la bêta qui est, qui est ouverte sur PS4 en octobre. En octobre. Es sérieux Ah, Nio, Ouais. Nio, oh, bien voilà. sûr, ah oui, ah, oui. Eh Bravo, ouais. Nico. Et Donc, c'est parti. Tu l'avais oui, c'était ça. J'avais pas long. Ouais, je avec, un avec un H, avec un H, comme dans Hachi Parmentier. Oui, par exemple. Comme dans H, H. comme dans, la <laughs> comme H la série. Ah ouais. Et c'est parti pour mes deux jeux. Merde. Attention, messieurs dames, on a. Oh, ça va être dur. Non, c'est pas vrai, ça va pas être dur. <laughs> Children of Morta et Zelda Links Awakening oh Remake. Putain. Euh... <laughs> ah, en fait, on a <laughs> trouvé entre un jeu qui rame. <laughs> Et un jeu d'une beauté euh, incalculable. Et eh bien oui. tu sais ce que je vais choisir, Doris <laughs> Je sais très bien. <laughs> le rad. Gard, gardez vos vêtements, les gars, parce que euh... celui-là, dès que je peux, je le viens. Euh... <laughs> non, bah, non. Eh tu... non. non, mais je, je, je... Ouais, non non, clair. Non, soit, soit, non. Euh, non. non, non. Soit, Non, non. Mais non, mais alors euh, vraiment, vraiment pour clair. le coup, pour moi, c'est vraiment dur parce que parce que ouais, ouais. je les ai tous les deux aimés d'une de, manière différente. Euh, mais peut-être celui que j'ai le plus follement aimé c'est Zelda effectivement donc du coup c'est Children of Morta putain mais je suis dégoûté 20ème je suis dégoûté mais pourquoi on fait ça on se fait tous du mal quoi TFT va finir en top 2 allez ouais bah attends s'il faut TFT c'est comme la dernière on va le tirer contre la fin. absolument Just Shape Chain Beat si tu nous dis on est peut-être les seuls à t'avoir mis deuxième de notre classement des jeux de l'année pour dire je l'avais complètement zappé je savais même pas que c'était lui euh, Don't Alors, Shadow of oui. Mortal. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode 15. J'espère que vous l'avez écouté. Je vous invite on à écouter le test ans. de Nicolas. Euh, mais pour faire bref, c'est en gros, c'est un roguelike hack and slash où l'on joue, on va jouer tous les membres d'une famille qui combattent un mal en fait qui ronge leur monde. Mm. Et c'est jouable en coop. Et ça a des graphismes sont Oui, Ouais, absolument. C'est du pixel art comme j'en ai rarement vu. Hein. Vraiment, le, 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 le <laughs> hub, la c'est vraiment très très beau. Et c'est parti. Ah oui, mais bah attends, mais il faut que je pose une question. Alors, messieurs dames, attention, je pense que ça va aller très très vite. Oh, bon, Donc je vais poser la question très très rapidement. De quelle série le producteur de Outer Wilds est-il le héros est la... attends, Heroes. Heroes, absolument. Il ah, est effectivement est le héros le de japonais. Non, euh, est... Ah ouais wow, la vache. Oh, j'ai même pas compris la question. Attends, ah désolé, je fait. suis allé trop vite. Ah non non non, c'est moi. En fait, je me suis en train de me dire, mais je suis en train de chercher une série de ah, jeux avec le téléphone. Ah, oui, ah, oui, oui, désolé. Non, 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 non c'est bon. Ah, fond. tu les as dit un induits en erreur. Et ouais. moi, j'ai quand même trouvé parce que je savais. <laughs> mais non, mais alors, ah, je, ah, hein, je savais que c'était le, le producteur ah, de. Ouais. Et ouais. Donc, en fait, ah, oui, effectivement. Euh, pas euh, pas euh, le Ouais. La personne qui est à la tête de Mobius Digital, qui a donc produit, qui a donc filé de l'argent pour Outer Wilds c'est. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas. Ah, si, il s'appelle. Si, si, je l'ai. Je veux un faux nom. Ah, mais le japonais Non, non, ça risque d'être raciste. Je veux pas un faux nom. Il s'appelle Masioka et ah bah... le personnage de Hiro Nakamura. Oui, Kamran, Kamran Ouais oui, c'est Hiro Nakamura, mais c'est pas le nom du Yappa, c'est le nom du Iroh. D'accord. John. Euh... Ah oui. Ah je... eh oui, oui on pioche. Regarde <laughs> pas regarde pas regarde pas. Regarde pas. Il triche il triche il triche. J'en ai deux. Il regarde pas sa barbe. Oh, J'en ai deux. Il regarde pas sa. barbe. Ouais. Oh, <laughs> il regarde pas ses tétons. Alors <laughs> ah tiens c'est deux jeux donc sortis cette année si hein, <laughs> ce vous avez suivi et c'est le troisième opus à chaque fois donc il y a Luigi's Mansion Ah. Et Borderlands 3. Oh là là. Alors là, je Non, que non, non, non c'est très dur. C'est très dur de choisir parce que. Non, de toute façon, on l'a dit, hein, le Gothit cette année, c'est pas le même que l'an dernier. Hein. L'an dernier, on avait 10 merdes dans, sur un top 20. Oui, c'est vrai. <laughs> vrai. Et non. que là, à chaque tirage, c'est pas Chaque tirage, c'est quand même un jour. Ouais, correct. Ouais, ouais, ouais. ouais, non, mais là, c'est évident. <laughs> euh, alors, tu euh, qu as joué, joué le Gismondin Je vais. Non, non. Il y a un jeu qu'on attend depuis un an et un jeu qu'on attend depuis 6 ans. J'ai joué. J'ai joué à aucun <laughs> des deux, mais je vais quand même. Je vais rejeter Luigi. Euh... Ça contre ouais. cœur, mec. Ah euh, non, c'est. Euh, c'est. Parce que je suis triste. J'adorais le adoré jeu, hein, mais je. Ouais, ça fait. Je suis triste mais pour lui, mais c'est que... Borderlands qui reste. Mais je suis. Je suis plutôt. Je suis plutôt. Plutôt ok. Voilà. Ça me. Voilà. Venant de Nico. Ah non, non, non! Bah, mais... c'est vrai que Borderlands, on a, même si on a pas trop, trop. On a joué un peu au 3. Ouais. Mais tu peux pas, en fait, tu peux, tu peux pas rogner le, le 1 et le 2, en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais, absolument. Ouais. Mais alors que le 3, hein, moi, je, on a on avancé on pris des barres. Hein. Ah ouais franchement ouais, on s'est bien amusé hein. ah, On ah, s'est ouais. cassé le cerveau hein. ouais, euh, Ah oui carrément <laughs> bon, On, a, on a vraiment littéralement fondu littéralement. <laughs> ouais. euh, Luigi Mansion ouais quelle tristesse c'est la suite du jeu fer de lance de la Gamecube on y incarne donc Luigi on l'a testé dans le précédent numéro le frère froussard de Mario dans un hôtel hanté où chaque étage est un univers à part entière exploration, puzzle, combat de boss sont un rendez-vous pour ce jeu très sympathique au graphisme très léché oui. pour de la Switch en tout cas John, nouvelle question Alors hum, ça va être un on va, on va y aller simple donc dans Disco Elysium, mmh, mmh. donc on en avait parlé dans l'épisode 14. Euh, le héros se réveille amnésique et comme dans bon nombre d'autres jeux, Zelda. Comme dans Zelda par exemple. C'est pas la réponse à la question. Mmh. Je... <laughs> Bien entendu, Non mais je te, euh, ta, ta question. Euh, par exemple. Parce que euh, <laughs> ma question c'est que il y a un jeu qui est sorti en 2007 où euh, on incarne donc un personnage qui se réveille amnésique. Et euh, donc, and et en fait, euh, l'histoire euh, l'amène donc à apprendre qu'il est retrouvé sa mémoire, euh, tout ça. Donc, quel jeu sorti en 2007 très très dur. Il hein. faut, faut trouver qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Que, quel jeu, quel jeu, euh, voilà, un temps euh... bon, alors, euh... il a dit Batman Kaitos. Hein, non, non, non que... je sais, j'écoute, Il parle quand même. <laughs> ouais, ouais, non mais. Alors. Euh... Ah, parce que c'est vrai qu'il. Oh, ça, ouais, ça peut ouais, aller ouais. très vite parce qu'après je vais donner des indices ouais, sur euh, ouais, voilà. 2007. Dans le. Portal. Alors. On est trois <coughs> à avoir mis un jeu du même éditeur dans le YOLO d'Or. C'est The Witcher Deux The, un The Witcher 3. Voilà. The Witcher 1. Il disait 1 à la place. Ah ouais, voilà, parce que j'aurais été, mais alors, <laughs> d'une <laughs> tristesse. J'aurais <laughs> <T> <laughs> vu ce que ça fait Voilà J'aurais senti Ce sentiment C'est The Witcher 1 <laughs> The Voilà Witcher 1. Et c'est oh parti je vais, oh, bah, plus, hein, moi, hein. je vais rien choisir Pas non plus Je vais rien choisir J'ai juste chercher Des persos amnésiques hein. Ouais bien sûr <laughs> et ouais, hein. Messieurs dames Au programme Ce soir ça va être Un peu plus simple à ce coup-ci A Plague Tale Innocence Et Borderlands 3 Et là je pense Que je vais laisser A Plague Tale voilà, je vais, je, vais, je vais sortir Borderlands. Je, je je c'est vrai que Borderlands. Je ah, t'avais trop aimé, de hein oui, En Non, non, c'est bon. Je... Non, non, mais je, je l'ai gardé pour des trucs beaucoup plus. Ah, euh, euh... <laughs> ouais. Uplectail. En fait bon. <laughs> <laughs> euh, donc, euh, Borderlands, là, William, c'est à toi de faire le speech. Puisque oh oui, alors. L'enraison funèbre ça, voilà. de Borderlands 3. Bon, oh, terrible pour euh, Borderlands 3. Donc, voilà, comme je disais. Euh, Borderlands 3 pour moi c'est THE jeu pour jouer en coop avec ses potes donc bon encore faut-il avoir des potes qui veulent jouer en même temps que tu veux jouer quoi. Voilà. Ça. mais non après enfin bah, Joris Nico pourront le dire enfin tu tu c'est oh, tu te a, ouais. à Ouais. Non-stop quoi, mais du coup tu te fais un peu fondre le cerveau quoi. Donc, euh, non, franchement c'est the jeu, c'est une super puis, il, il est réussi, c'est une, une bonne proposition, mais en fait une bonne moi, proposition. Ce qui me manque par rapport à la, la, la où là où je l'ai là où je enlevé, c'est simplement que c'est un de plus. C'est un très bon jeu, mais c'est une amélioration de, euh, une de, amélioration de, 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 ce de. de. Exactement. exactement. Messieurs fait. dames, nous sommes face à une question numérique. Et pour les questions numériques, on ne l'a pas dit, mais on va le dire maintenant tout de suite. Euh, vous ah. avez chacun une feuille de papier. Sortez vos stylos. Voilà, sortez vos stylos, c'est l'heure du contrôle. Vous allez noter. Car dans Luigi's Mansion, euh, dans Luigi's Mansion 3, donc on incarne Luigi. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un héros qui est là depuis un petit moment. Euh, Luigi, alors pas forcément en tant que héros de jeu, mais il est apparu dans un bon nombre de jeux. Je vais vous demander dans combien de jeux au total Luigi est-il apparu donc Vous allez le noter sur, bon vos... bon <laughs> <laughs> sur vos petits papiers C'est vraiment une question pour, pour, pour Comment dire Pour des gens qui, qui, qui seraient fans Vraiment de Luigi euh, ça, ça, ça peut non on va le dire on va le dire je vais vous faire un tour et vous allez le dire chacun votre tour euh, ah. ouais. très bien <laughs> non, 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 non mais on vérifiera sur ah, pas non, 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 on non. vérifiera il, y a Attends, pas... il fait mal les chiffres hein. écris les et mal on à les 8 ressemble par John combien 40 40 ok je 50 50 William 42 42 la bonne réponse était 118 oh, John, yes, yes, yes yes oh la, oh, la vache ça ah, yes <rire> <rire> <laughs> Joris, tu vas donc jouer pour la 17 e place. Non, mais oui, il a mais vraiment marqué sans doute Joris. C'est un tout pire, mar mar Ça marche quand même. Hein. C'est un ah, tout pile. Hein, ah, ok, c'est parti, j'en prends. Attends, j'en ai combien là Un, un deux seulement, bon, ok. Alors. Alors nous avons. Mm. Ah, oh j'en ai vu un. Hein. Oh, aïe aïe aïe. <laughs> J'ai vu, tu suis Nous vu. avons donc Pokémon. <laughs> <laughs> Pokémon Tapenade et pâte de fruits. Oui, c'est ouais, vrai. Les deux derniers Je endats. pense qu'il n'y aura pas de veto. Hein. <laughs> et Outer Wilds. Ah oui, bon bah alors. Et. Je Dégage vire moi, Pokémon. Moi, quoi <laughs> non je oh. euh, po réchauffer <laughs> euh, Pokémon, je crois... Ah, je suis d'accord, j'aurais bien voulu avoir un petit veto qui saute, là. <laughs> ah, ah ben, pas. Pokémon... Euh... Euh, William, je crois que c'est moi, joue. je crois. Ah non ah bon. est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire grand-chose sur Pokémon C'est le dernier opus euh, en date donc, euh, de Pokémon. Pokémon épée ouais. bouclier, sorti le... en novembre. Sorti le 15 novembre, absolument. Voilà. C'est très bien. En fait. C'est très cool, euh, oh, ça contre qu'on le sorte, mais c'est vrai que... Qu'on mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup mieux. En, en fait, c'est du gros lot. Ça se bat. Ah, ah, ouais. Attention, question qui porte sur Brass Femous. Brasf... Je l'ai dit dans euh, l'épisode où j'ai fait le test. Genre. On va voir si on m'a écouté. Ouais. <rire> <rire> est... Les créateurs du jeu se sont inspirés d'une ville très connue pour créer les environnements et l'architecture. En Non. Ouais. Quelle est donc cette ville Ah, c'est pas ça. Ah ouais, mais c'est un truc espagnol, Castillo de ouais. Pacha. <laughs> Non. Euh, mince, euh, comment s'appelle J'ai un trou de mémoire, je connais plus aucune ville espagnole à part Madrid. Ouais. Bah, <laughs> oh, ouais, 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 Barcelone aussi t'enlèves bah, t'enlèves toutes les de Madrid ça aucun rapport. <laughs> c'est une ville espagnole Ouais. ouais. Oui, euh, Cordoue. Connu. oui. Connu Oui, Cordoue. Non. non. c'est plus au Florence, nord Paris, Valence Alors non, ça c'est Séville. <laughs> ah, Séville. Bien joué. Eh ouais, non mais c'est celle yeah. que j'ai ah. purée. J'ai cité les clubs de foot d'Espagne. Ah. <laughs> <à la> <laughs> de <laughs> le foot. <laughs> le foot. Yes. Ah, le très bien. <laughs> bien. Bravo Will. <coughs> William, c'est parti. Ouais, tu vas dans l'épisode treize. Dire moi 13, que, non, dire -moi que, es que je t'ai Outer Wilds. Allez, tu vas jouer pour la 16ème ah, ça, place. Tft, j'imagine. Tft Outer Wilds. Ah bah là on fait ce que tu dégoût. Ah bah oui, qui va le dégainer. Le premier dégainer. En fait, Tft, c'est juste pour ken vos veto. c'est très drôle. Il y en a pour lesquels je me battrais pas. Le premier, Alors. ah, ah c'est intéressant. Ah. Baba Isu ah, ouais. et Outer Wild. Bon, bah, veto. <laughs> non, mais tu laisses pas William avec Outer Wild dans les mains. J'ai cru qu'il a joué aucun des deux en plus. <laughs> non, mais même, Si, ben, Baba Isu, j'ai joué. Ah oui, c'est vrai. En plus, ouais. 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 il, 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 a, joué a, joué il ensemble, a veto. Ouais, ouais, il a veto. Non, non, tu les mets pas dedans. Ah, attends, attends, tu les mets pas dedans. Ah, bah, non, tu les repioches pas nécessairement. Ah, mais j'allais remonter. Ah, mais j'en repioche du coup. Mais t'en repioches deux, ouais. Ah, attends. Non, ouais. Ah, bah oui, t'as quand même le choix, ouais. Oui, on <laughs> prolonge pas non plus le... <laughs> le plaisir. Ils se chient dessus, les trois. là Ils ont mis 5 sur 5 à Hauteur Wild. Ouais, je suis le seul à pouvoir mettre 5 sur 5. Ils ont peur qu'on ah ouais. sorte pas. Non, j'ai je... flippé. Il en face. Moi, quand même. <laughs> C'est mon coup de cœur aussi. Coup, en, vrai, ton... en vrai, je pense pas hein que je l'aurais sorti. Mais... T'as niqué ton béton. Non, William, ne me dis pas ça. Ne <laughs> me <laughs> <laughs> dis pas ça. Je le alors. Ah euh, Alors, en premier, nous avons Telling Lies et Blasphemous. C'est dur. Hein. Non, je vais sortir euh, Telling Lies. Hein. Mm. Non, es, de Blasphemous, j'aimais bien, bien la oh propale quand même. Noël. Eh oui, Telling Lies à faire. qui non, pour... Ouais. à la 16ème place. C'est dur, hein. du es... dur. Pourtant, l'idée de Telling Lies était quand même pas mal. J'aimais bien le... L'originalité, pareil. Ouais. Oui, mais tu, tu préfères, les, béb tu préfères les, les, les bébés morts, c'est ça, ça ah, Non, on pas su les bébés morts et les T'as remis les, les deux autres qu'il a pioché Non, pas du tout. Euh, Telling Lies, effectivement, et... c'est euh, le, le jeu de Sam Barlow, hein, le créateur de Earth Story, qui mmh. revient aux commandes de ce jeu d'enquête en FMV. Euh, nous sommes largués sur une base de données de vidéos, sans vraiment savoir ce qu'on y cherche. Et on commence alors un jeu de piste, dans un mélange très singulier entre voyeurisme et enquête policière. La sauce prend. On se prend à relier des points sur une mind map pour démêler le vrai du faux de cette histoire. Le Game design est absolument génialissime, euh, c'est-à-dire que même si on a le droit d'absolument tout faire sur sa base de données, on arrive quand même aux dernières vidéos, au dernier moment du jeu, et c'est extraordinaire. Et William n'a aucun goût. William. <laughs> je présente. Ok, j'enlève la je, euh, okay, bah, je vais poser une question sur les jeux qui sont déjà sortis. Donc euh, Borderlands 3. Combien de oui, temps est Quel bien. est le record pour avoir fini Borderlands 3 Speedrun. Donc c'est quoi on, on Le record en speedrun, vous on le dites en heures, minutes, minute, secondes. Ah ok. Donc, Donc le on record. Le note, ouais, on note, right. Vous notez, vous notez, okay, ouais, Exactement. C'est euh, au plus près quoi. Je veux des heures, des minutes et des secondes. C'est mon instinct qui m'a dit ça. Ok. Un truc. Attends, non, non. Pardon. C'est bon. Hein, oui. Hein. Parce que ça marche pas du tout ce que j'ai mis. J'ai mis 47 heures. <laughs> ça wow. ah, C'est bon, on garde les trucs et on, dis, on le dit à tour de rôle. Ah oui, c'est vrai. John 5h topile. Ok. 15 minutes et 12 secondes. 47 minutes et 0,5 secondes. Okay, attends, 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 15 minutes, Nico 15 minutes et 12 secondes. Mais il y a toujours des gens qui font des exploits ouais, ouais. de bugs et ouais, qui, qui bon, finissent à tout de rôle. dans l'espace, du coup, tu peux et pas. Combien, et combien toi, ah. Joris 47 minutes et 0,5 secondes. Alors, euh, bah, c'est 6 h 44 minutes. Hein. Ah putain! Donc, viens, euh, John, avec ses bah, bah, raid donc il est pas est si flingué, bien. alors, comme jeu. Mais non, ah ouais. Ouais, ouais. Mais non. non, mais parce qu'il <laughs> est sorti avec plein de bugs et tout. Donc pour... enfin, avec ouais, mais je pense bug, pour passer directement au boss de fin et le finir en 15 minutes. Euh, ouais, mais tu sais, des, pas des pas fois, t'as des jeux, ils sont. Mais il est pas bugué, d'où vous sortez que. mais Bah, les avis jeux vidéo, quoi Non, mais autant bugué que The Randing, j'ai jamais vu aucun bug sur le jeu. donc. C'est vrai, moi non plus en plus. Alors, nous avons. A Plague Tale Innocence et Gridfall ah oh John t'en Non non pour moi il n'y a pas photo même si j'ai beaucoup apprécié les deux mais A Plague Tale est beaucoup plus une claque gothi pour moi que Gridfall qui est un gros atout pour moi ça fait plaisir ça c'est pas non plus un gothi je suis d'accord Gridfall c'était de la merde disous Gridfall <laughs> Et euh, donc Gridfall en fait c'est le, 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 le jeu par, par les, les développeurs de, de, de Technomancer, des Spiders, jeu français donc euh, ça qui est cool Donc c'est un, un RPG euh, qui se passe dans un monde un peu euh, 17 e siècle, fantastique, euh, euh, ça marchait bien sur moi mais pour les, les, les vrais hardcore du RPG euh, Un peu comme Joris ça, ça marchait moins parce qu'il manquait des choses, double ouais. A est obligé eh oui. Euh, ben merci John pour cette belle oraison funèbre. Très. Une question. Je suis quand même, question. Question. Suis quand même Et non, non on n'est pas sur des questions puisque c'est oui. la 15 quinzième position Ouh. qui vient Ah oui j'adore ça. Euh, oui. Donc nous allons faire une petite pause et remettre des petits prix annexes, des petits prix annexes. Et c'est William qui va commencer. Oui. Alors moi je vais commencer avec euh, mon petit prix qui est euh, le meilleur jeu à filer à sa moitié pour être tranquille sur le PC. Alors les nommés sont. Les nommés sont. Donc on en a que deux parce qu'on était plutôt d'accord là-dessus. Gris et Yoshi. Je suis en encore. Donc moi, je me suis clairement mis sur euh, gris. Gris. C'est-à-dire que c'est un jeu très accessible au niveau du gameplay. C'est pas très compliqué. C'est une... même. Ouais. Même par rapport à Yoshi, hein, d'ailleurs. C'est ouais. un truc pour. Ouais, eux, non, non. C'est J'ai mis Yoshi parce qu'en fait, je pensais que c'était les jeux euh, pour jouer avec sa copine. En fait. Ah, ah. non non. non c'est ah. vraiment tu lui donnes et genre. Oh, ça marche euh, aussi. Voilà. Ouais, ouais. Et euh, ouais. Non mais c'est oui, une œuvre d'art quoi le truc. C'est un ensemble de tableaux qui s'enchaînent donc. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. très bien le petit gris. Le petit gris, John. Ben. Moi, c'est quand même dans le, 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 le meilleur jeu dont personne ne comprend l'intérêt à part Nico. <laughs> ah ouais, non, clairement. Et donc. Euh... Les nommés sont. Les nommés ah non, c'est bien le, le nommé de Will. Ouais, oh, non, mais. Les ouais. Sont. Je veux donc, retrouver. On le nom. a Tetris 99 et. Le jeu japonais d'enquête, là. <laughs> on en a parlé pendant une heure, là. Duncan Ronpa. Hein Duncan Ronpa. Ouais. Putain, mais même le nom. Et. Euh... Ah ouais, et ah bah c'est vrai que euh, je comprends peut-être pour Duncan Ronpa, donc euh, j'ai. Pour moi c'est Tetris 99. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est Nico un mot sur Tetris 99. c'est de la balle parce que c'est c'est un battle royal mais c'est Tetris. Tu vois ce que je <laughs> <Voilà>. Non <laughs> franchement j'ai joué j'ai joue pas toutes les cinq minutes hein. Mais euh, j'ai joué il y a vraiment des bonnes sensations des bonnes sensations de Tetris ouais. et des bonnes sensations de tout court. Euh, okay. À mon tour avant de te laisser la parole Joris pour moi. On va parler du meilleur jeu de sport. Alors, c'est fou parce que <laughs> vraiment, c'est le truc qui m'intéresse le moins. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette catégorie. Et les nommés sont What The Golf, Holy Holly, Descenders, Golf It et Death Stranding. <laughs> bon. Alors, j'imagine Death bah, Stranding, c'est pour la randonnée. La rando, c'est Alors, déjà, euh, laissez-moi euh, être euh, personnellement très ému. Qu'il y ait deux jeux de golf dans dans <laughs> dans, ces, dans cette remise de prix. Il y en a un y est parce que je t'ai mis la branlée. Un Oui. Ah. oui bah, ça va. <laughs> euh, et, 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 euh, <laughs> mais par contre, voilà. Mal, malgré tout, j'ai fait mon choix. Et il s'agit de Descenders. Oh. Descenders, qui ah. est de tous ces jeux absolus. Enfin, peut-être pas. Descending. Tu descends mais... en VTT là? Ouais. je descends en VTT. Il y a des super sensations de vélo. Ah, ouais. Et c'est vrai que cette année, je me suis pris une mini claque 1D voilà ce genre de truc où tu joues et puis tu te dis bon je vais tester pour voir et en fait c'est de la balle et voilà cool. donc la mini claque euh, 1D Descenders qui est d'ailleurs disponible dans le Game Pass mais il faut qu'on arrête de faire de la pub parce que les gens vont croire ah, que ouais. vraiment on est payé par, euh, <laughs> par la boîte ah oui Joris. Alors, à moi euh, je vais commencer donc par le meilleur jeu sous opératif c'est à dire que c'est le petit jeu où tu vois ton pote qui, un, qui, un, qui joue au, au jeu et te caler sur le canapé à côté de, de lui ouais. et tu peux les aider pour les énigmes ou pour ce genre de choses et juste tu joues pas, juste tu regardes et tu kiffes. Ouais. Et euh, bah, c'était plutôt unanime, sauf Weed qui a pas voté. Ouais et donc le vote final est donc Resident Evil 2 Resident Evil, 2. ouais, ouais. c'est bah un peu comme ça qu'on l'a fait en plus. C'est bah un vrai. peu comme ça qu'on l'a fait. C'est un plaisir de te regarder jouer. Voilà. Ouais, absolument. C'est le genre de jeu en fait. On en a fait plusieurs. On a fait Blair Witch, on a fait Observation et tout. Oui. Euh, ouais. Resident Evil 2 ça se porte bien parce que bah, déjà tu, euh, t as, t as des petites cinématiques, c'est agréable mm. à regarder, c'est mm. plutôt joli, ouais, tu as clairement. des énigmes donc tu peux l'aider mm. et euh, tu stresses pas quand, y a, quand tu te fais poursuivre par Mister X. Tu Je <laughs> que c'est pour vrai. ça. C'est vrai. Quand il y des copains, c'est vrai. Du coup, tu stresses. C'est Les gars, vous voulez joué Je c'est ça parce que <laughs> Back to the fucking game, John. Question pour la place numéro 14. Donc, sachant que Gridfall est, est sorti, <laughs> je, vais, je vais faire un petit truc en rapport avec Greenfall. Ah, ouais, j'ai joué pas mal J'ai joué ouais. Je suis sûr que je peux gagner. En fait, dans Gridfall, il y a, y a des natives, oui. donc euh, des sortes de. de, de voilà, de, des habitants de l'île qui ont leur propre langage qui a été spécial, euh, spécialement inventé pour le jeu, mais très cool. Hein. Et, euh, et en fait, ça arrive souvent dans le jeu vidéo. Ah, Il y a nombreux de nombreux jeux qui ont aussi leur propre langage. J'ai pas mal découvert ça, c'est cool. Mais vraiment des trucs très poussés. Ils ont vraiment écrit des, des, plein de mots, une sorte de dialecte mmh. et tout. Et euh, donc, euh, est-ce que vous saurez retrouver dans quel jeu on parle le Dovazul L'émission Motorwise. Skyrim Ouais. Le Dovazul. Dovazul. Je sais pas comment ça se dit. <laughs> Dovazul. Dovazul. Ouais. ouais c'est pareil pas du tout ça ouais, c'est pas du tout ça c'est pas du tout ouais, ça, ça tu se veux se dire, dire en dovasul pas... do ça ouais. se prononce <laughs> pas comme ça ah, mais moi je connais la... ouais. parce qu'apparemment ça veut dire dragon voice ouais. voilà, <coughs> mais c'est pas drag. le do... Ah, non, do mais en fait c'est la, la... Tra... la langue d'autres acquis d'autres acquis d'autres c'est le game of thrones C'est game of thrones oui alors messieurs dames le choix se porte dorénavant entre manifold garden et Blasphemous oh putain Ah Aha. Là, c'est compliqué parce que c'est pas compliqué. Ouais. Parce qu'en fait attends attends, enlever... attends 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 Qu'est-ce que je perds Qu'est-ce que tu perds Ah oui, souviens-toi de attends, 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 je pense qu'il va aller loin. Euh, ouais, il peut y avoir des attends, pour ça. J'ai déjà cramé un hein. attends, <laughs> Putain, le problème c'est que prochain tour de attends, il va passer sur. De toute façon, il ira pas loin Il ira pas loin. c'est déjà 14 c'est bien Ouais, c'est beau. Non, mais j'ai trop kiffé, c'est ce jeu que j'ai fini cette année. <laughs> c'est comme ça qu'il classe ses goûts Allez, veto Véto, ah, ah, oh là là, Dans ce cas, Veto Je sais même repioche... reste... pas ce que si tu allais choisir en plus. Hein. Hein je sais même pas bah, ce que tu ouais, choisir. Ouais, je pas. le dis pas, je <laughs> le dis pas <laughs> parce que c'est aussi savoir. ça le jeu. Hop là Allez, en prend 4. Ah non J'ai trop kiffé ce jeu. Mmh. Messieurs, dames, les nommés sont Zelda Links Awakening Remake et Teamfight Tactics. Ah. Oh là là Like Et le véto, perdant. J'ai envie de le garder pour Death Stranding quand même, mon veto au cas où. Ah oui, c'est vrai, tiens. Ouais, c'est vrai qu'il peut tomber. C'est bien parce que tous, jeux, tous mes jeux que je veux garder, à part Blasphemous, euh, c'est bon, on est, vous êtes dedans. <laughs> c'est bon, c'est bon. Non, allez, veto. Veto Ok, Quoi très bien. Je vais le je... voir aller plus loin euh, TFT. Non, c'est très drôle. Très drôle. <laughs> je vais le voir aller plus loin TFT. Ah bah, attends, ça double veto. Veto, toi. Il ne reste plus qu'un veto un... pour. Il plus que John qui a un veto. Là, un veto. Ouais, sais, hein, je sais ce vraiment... qu'il y a dedans donc ça peut me faire mal hein, si tu tombes face à. T'as un double veto sur Nico. Fait, quoi. Ouais. Ah bah, t'as bien fait de mettre ton veto maintenant, William. Il y a Death Stranding. Death Stranding Les ouais. nommés sont Death Stranding et Disco Elysium. Ouais. Oh, <laughs> oh merde. <laughs> Alors, qu'on se le dise. Ouais, ah, non, moi c'est tout. On se l'est dit entre nous. Disco Elysium, il aura de nouveau sa chance

eh ben, tu vas d'autant plus pleurer du sang <laughs> que maintenant, nous avons... mec, il a quoi T'as un vrai regard de détresse. Euh, Baba Is You contre Control. Alors, oh. alors ça, c'est intéressant, par contre. Ce Parce que intéressant, ça, c'est intéressant, Baba contre. Is You, c'est un jeu pour lequel j'ai eu le coup de cœur. Et en fait, avec le recul, ouais. je me suis dit, bon, c'était bien, mais pas, tu vois, ça m'a pas retourné la gueule. Control, non plus. Donc, je vais garder <laughs> Baba Is You. Et c'est ouais, Control là, qui s'en va. C'est beau. Alors que, alors non, plus, pas joué à Control, donc c'est pas dire en fait. C'est un jeu, c'est un jeu. Alors, non, mais c'est un jeu très correct, Joris. Ah, voilà, correct. Euh, Control, trop... on en a jamais trop parlé parce qu'on a. On n'a euh, pas eu le temps. On n'a pas hein, eu le temps. Il y avait beaucoup euh... trop de jeux. Ouais. Euh, c'est le dernier jeu de Remedy, donc euh, ceux qui ont fait Max Payne, qui ont fait ouais. euh, Alan, Wake. Euh, Alan Wake, qui est sorti en août dernier. Donc comme j'ai dit, on n'a jamais trop joué. On y a joué avec Nico, mais on n'a pas vraiment pu en parler. En fait, dans ce jeu, on va jouer Jess Faden qui enquête sur la disparition de son frère. Et son enquête va l'amener justement dans un bâtiment très étrange géré par le bureau fédéral du contrôle. Et en fait, on va se trouver en, avec un jeu d'action qui est hyper hyper nerveux avec de nombreux pouvoirs. Euh, la physique du décor est complètement époustouflante et du coup, les gunfights sont épiques. Euh, J'ai énormément apprécié les, les graphismes et surtout la froideur de ce grand bâtiment. Ouais. La froideur de ce grand bâtiment qui peut se mouvoir dans, mmh. dans plein de formes différentes. C'est vrai. C'est pas, pas un mauvais jeu. Par contre, alors, il euh, n'y a pas la catégorie, mais alors, c'est la, la, la moins bonne map de ces 100 dernières années dans un jeu, je pense. Hein. <laughs> je pense, ouais. Vraiment, hein, et facilement. Hein. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de jouer, parce que vu que c'est un sorte de Metroidvania où tu peux revenir en ouais. arrière et tout. Ouais. Mais en fait, la map, elle est tellement illisible que ça m'excite. Ouais. <laughs> ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment naze. Enfin, bref. Donc, euh, 14 e contrôle. On joue pour la 13 e place, messieurs, dames. La prochaine question est la suivante. Manifold Garden est un sacré jeu d'énigmes. Sans doute l'un des plus réussis cette année Mais, utilisé en compta par exemple Qu'est-ce qu'un carnet manifold Attends, on doit l'écrire là ou... Non, 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 non. C'est là on est où on met les comptes Alors, c'est pas... c'est pas, euh, Non, c'est plus une caractéristique technique de ce carnet qui m'intéresse Ah, c'est un papier spécial Ah, c'est-à-dire Il a un grince particulier Non On peut pas effacer les comptes Non Alors, c'est un rapport un peu lointain avec le, le, le jeu, hein je vous le dis, tu voilà. Le pied hein tu peux le plier Non. Ah, tu peux le retourner dans tous les sens Non. Un papier de couleur Non. Il a une propriété spéciale. Ah on peut pas, on peut pas on, Enfin c'est est... pas qu'il a une propriété spéciale, c'est le gravité. carnet <rire> <rire> Exactement. Il donne envie de vomir <laughs> Il change non. de couleur Non. non, non, il, non. Il, peut, il peut pas aller sous l'eau. Disons que c'est très pratique si tu veux euh, écrire plusieurs documents d'un coup. Ah, ça, ah ça, c'est un... écrit sur plusieurs feuilles. Ouais. ouais, tu écris sur plusieurs feuilles, William. Ah. Effectivement, c'est un papier où, en fait dans, dans lequel tu vas avoir euh... une petite feuille. <laughs> comme un automne. constat, quoi. Euh... Voilà, comme un constat, exactement. Comme un constat. <rire> William, il <laughs> n'y <Non, rire> a plus de veto, les gars. <laughs> ouais, William, c'est parti pour la 13ème place. Ouais, hein, on joue pour la 13ème place. Putain, Outer West TFT. <rire> ah, <rire> le sens. Oh, tu le sens ou pas Alors, c'est parti. Il y en a deux Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, Oh, alors Joris, tu vas chialer. Oh, Blasphemous. Non, 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 <laughs> Blasphemous et Katana Zero. Ah, ah, ouais, euh... ah c'est vrai qu'il y a Katana Zero, dis. Parce que Katana Zero, je l'avais bien aimé quand j'ai vu. J'avais ai hein. euh, bien aimé. Ouais. Eh, c'est compliqué parce que pour le coup, il y a plus deux, de Plutôt à Armégal. C'est un peu, ouais. armégale, non, surtout hein, un point, peu le même style. Bah ouais, mais je ne dirais pas lequel je préfère. Mais pour la pâte artistique, je préférerais Katana Zero par rapport à Blasphemous. Donc donc euh, je sors blasphémous. blasphémous, donc qui sort à la 13e place, ça, valait le coup ton... <laughs> non, ça va les coups d'utiliser ton... J'aurais que ton grade... Ah je préférais blasphémous. Tu préférais Blasphemous Ouais, Kata mais Katana Zero est très très cool. Donc blasphémous qui, qui, alors... qui finit donc 13e Blasphemous. Blasphemous. Joris, tu peux nous donner. Donc, bah, clairement, un cœur de mes co de l'année, euh, c'est un Metroidvania like en 2D dans un univers religieux corrompu par des atrocités. Mmh. Nous avons affaire à un pixel art qui est hyper détaillé, une OST incroyable et une violence graphique omniprésente. Putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Je peux pas dire le contraire. Non, c'est clairement ça. C'est vrai. <laughs> T'as bien préparé ton truc. T'as ouais, bien pensé. Désolé. Et le, très... de, le deuxième jeu que j'ai fini cette année. Ah! Magnifique. Alors euh, là, pour la question, ça, ça je l'ai trouvé génial. Je vais vous poser une question sur Ivo, un oui. jeu qu'on n'a pas encore tiré. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est euh, quoi Ivo Ivo, c'est le jeu de quoi oui, oui, où, bon, euh, okay. comment tu dire, tu tiens par tu, les mains, tu là. tiens par les bras et tout, <coughs> et tu as le plus loin possible Donc, ça va être une question. Euh, vous allez écrire la réponse sur un papier. C'est oui. celui qui sera à peu près le plus proche. Donc, en fait, pour, pour poser l'historique, en fait, euh, Ivo, ça a été créé lors d'un game jam, game jam de 48 heures. C'est-à-dire qu'il euh, fallait, fallait sortir un jeu en 48 heures. Ouais. Et il y avait des duos développeurs avec un développeur et une personne issue de la culture urbaine. Genre qui faisait du hip-hop ou des tags ou euh, ce genre de conneries. Trop cool. Et maintenant, quelle était la particularité de cette personne qui était avec le développeur qui a du coup euh, fait émerger l'idée de Ivo C'est bon. Trop simple. Je l'ai. Bah ouais, moi aussi je pense. De Ken. <rire> <rire> Alors... Je vais encore euh, me faire bah, une si question ma question. De... Moi, j'en ai vraiment aucune idée. Ah, d'accord, ok. John Il était cul-de-jatte. <laughs> il avait pas de jambes. Ouais, bon, c'est. Il était aveugle. Ah <laughs> vache. Ouais. Notre binôme était un champion de street workout qui n'avait plus usage de ses jambes. Il faisait ah. du parcours et de la musculation et n'utilisait que ses bras. Waouh, impressionnant. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, Bah, Deuxième question. Deuxième question. Ah, entre vous deux, du coup. Entre On nous deux. deux. Ouais. Ouais. Allez. Non, Allez. c'est bon. oh, beau. J'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Quand il se pas <laughs> On sent clairement que les deuxièmes questions c'était du fil, hein, du refil. Mais oui, vas-y. En combien de temps a été fini, <laughs> Ivo Donc il faut euh, qu'on le note. Qu a... En speedrun, le Z ah, en speedrun, le dev en 48. <rire> <rire> ouais, à peu près. Le speedrun de. Ouais, ouais, le speedrun. Sachant que Ivo, normalement, on Ouais. On y Ivo, c'est un jeu coopératif, mais tu peux quand même jouer tout seul. C'est-à-dire que les maps sont un peu réduites et tout pour que tu puisses te lancer et tout. J'ai vu des vidéos. Allez. Mec, les mecs ah, ils se font des. Ils se lancent sur 15 mètres, c'est un truc de allez. fou. Allez, c'est bon. Nico. 23 minutes. 6 minutes. Ah, ouais. ça casse ça. Ah ça non, peut... ah, c'est au milieu. c'est au milieu. <laughs> euh... Alors, il est en train de poser la soustraction. 6 minutes, 23 minutes qui gagne Parce que c'était 17 minutes. Ah, ouais. <laughs> ah ouais. ouais. Yes. 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 Donc, euh, Nico. Bien joué, Nicolas. Et ouais, je... Pour la 12ème place. Je non, regarde, je mélange. J'ai je ouais. vu Resident Evil. Je l'ai vu. mais non, mais, mais c'est pas grave, ça se vend la 3. Oh là là, c'est toujours très dur hein. c'est toujours très dur surtout ah qu'on arrive à la 12ème place E Plague Tale Innocence versus Katana Zero ah bah, pour le coup là il y, ah, y a bagarre ah, mais ah, voilà il y en a un des deux auquel j'ai carrément pas joué donc ah désolé Joris mais ah ah, Katana non, Zero bah va se Ah mais ah, c'est aussi la, la, la justesse de ce jeu <laughs> de ce quiz <laughs> donc Katana Zero jeux, a aucune idée le côté fair play <laughs> voilà ah. c'est ça <laughs> Katana Zero qui termine à la 12ème place Joris une petite, un petit mot sur la dépouille du défunt Katana Zero alors Katana Zero alors c'est un Hotline Miami-like dans un univers hyper mature et violent, un gameplay hyper soigné et jouissif, fait une musique qui colle parfaitement au tempo de l'action. Voilà. Oh c'est moi bon, ou on sort tous les jeux de jouris là, là. Là, 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 ah ouais, là le genre, pauvre. Ouais, il six, euh... ouais mais il doit rentrer. <rire> <rire> Je vais y aller moi donc. Ouais. <laughs> Alors, euh, Nicolas. Euh, C'est parti. Super Mario Maker 2, qui n'est pas dans le top, qui n'a oh, bon pas, pas réussi à pas y arriver. Alors, euh, j'aurais pu pousser pour qu'il soit dans le top, mais je ne l'ai pas fait parce que euh, je voulais sanctionner le multijoueur complètement flingué. Euh, mmh. C'est pas normal de payer euh, 50 balles par an, enfin, 30 balles par an et de pas avoir des serveurs dédiés. Donc, euh, Super Mario Maker, Maker 2 a reçu tout récemment une mise à jour. Citer l'un des éléments qui a Faire été ajouté au jeu. De quoi non c'est Link non c'était déjà on peut jouer Link on peut jouer Link arme, John ah. effectivement on peut jouer Link tu pioches yeah pour la onzième place donc <laughs> je vais pleurer <laughs> quand ça va être deux jeux à moi enfin ah, a on ça, a, ça, a zéro veto va. en plus on a tout ah là là, là maintenant est... on est à Poil. Alors, on est à Walp pili pili pili. Putain, il faut short Zelda ah oh, c'est dur quand même ah là c'est euh, pas évident Death Trending et slay the spire oh là là c'est dur c'est dur là tu me flingues mais par non, Alors, j'ai joué à Slice of Spire, mais pas Death Stranding. Mais je pense que, euh, à mon avis, je. Enfin, c'est Death Stranding qui mettra beaucoup plus une claque. Hmm. Donc, euh, bah, Slice of Spire, Spire il... je suis désolé. Même Space moi, Léa. Veux... Ça va parce qu'on a joué peu de. On en a déjà parlé dans oui, ouais, l'année ouais, de ouais. dernière. Oui, l'année dernière. Oh, mon dieu Non, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que Slice of Spire, j'ai beau y avoir joué 100 heures, Enfin, il est sorti. Non, mais c'est un. Enfin, il est incroyable ce jeu quand même. Euh, son oraison funèbre, William. Donc Slice the Spire, c'est un roguelike deck building. C'est-à-dire mm -hmm. que vous créez votre deck à chaque fois que vous gagnez un combat, vous rachetez des cartes, etc. Et vous allez recommencer une 150. De fois ouais. pour ouais. trouver le meilleur deck qui vous permettra ouais. d'arriver au bout. C'est un super roguelike, hein, vraiment. C'est simple. Euh... Slice of Spire, je pense c'est le jeu que j'ai le plus soudé en 2019. Ouais, 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 D'ailleurs, je l'ai joué sur PC, je l'ai joué sur Switch. Ouais. Là, il y a un nouveau perso qui va il y a sortir perso euh, qui va arriver bientôt. Vraiment. Là, ouais. il est en bêta déjà sur PC, donc je ne sais pas quand il ouais. sortira officiellement. Okay. Donc, c'est mon... mon nouveau jeu totem. D'accord. Je... Ah. Franchement, bien. au niveau Merci. de jeu qui me définit, uh, Slice of Spire, c'est. Voilà. John? Question pour oh la oui, vrai. De place. Allez John. Allez Faut que j'arrête de gagner parce que j'ai pas énormément de questions. <rire> <rire> Tellement pédant. Ouais, c'est <laughs> vrai c'est pédant. Je ça. me dégoûte. <laughs> euh, alors... Le mec il a mal préparé et en plus <laughs> il arrête pas de gagner. <laughs> Ah oui. euh, tiens, vu que euh, Uplectel est pas mal sorti là dans les, ouais, dans vrai, les tirages, c'était la ouais, première ville, ville où il y a eu la peste en 1754. <laughs> <Putain>. Alors <laughs> Non. Euh, de quelle ville s'est inspiré Non, c'est pas ça. Pourtant, j'aurais dû mettre ça. Euh, donc dans Uplectel il y a le mot tail. Ouais. Donc on va faire un... donc, une question à réponse tournante. Donc ah. chacun en a jusqu'à épuisement. OK Donc sortez-moi un nom de jeu où il y a tail dans le nom. Ça, c'est clairement Sachant une question que, que tu as préparée dans la bagnole. Hein. Non, non, non. C'est une <laughs> des premières que j'ai faites. <laughs> euh... En plus, c'est trop cool. J'aime beaucoup. Mais euh, on va pas... Ça nuit à chez moi. Voilà. Alors, on va, ne on va pas... Euh, Je n'en ai va... avoir... aucun. Voilà. Mais oh, par bah, contre, il y en a peut-être au moins un ou au moins peut-être... Euh une Ou des séries de jeux où il y a Tales dedans. Euh, S'il y en a un qui sort, la série elle est, est cassée. On ne ressort pas toute la série. J'imagine, j'imagine. Il y en a 22. sais J'en avais 3 là-dedans. Donc, euh, qui va commencer euh... Tu vois, j'en ai que ce soit Jouris. Comme... Non, mais on fait dans l'ordre comme on a fait tout à l'heure, non Ah ouais, d'accord. Bah, Nico. <laughs> Undertale. Attends, attends, attends. Je note parce que j'en ai noté plein au cas où pour pas. Je suis même pas sûr que le bien soit ça. <laughs> Vas-y. Tale of Esperia oui ouais. Donc, Donc tails tous les Tales of sortent Tous les Tales of dégagent. <laughs> Merde. Et MacTale Euh... Euh... <rire> 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 -dire, je... Ah, il euh, m'a niqué C'est un euh, vide juridique, hein. Moi, <laughs> <laughs> bah, je m'en fous, hein. C'est quoi la question <laughs> Oh mais il m'a niqué C'est trop <laughs> fort mais... <laughs> Ah, là, c'est un vide, hein, clairement. Tu euh... maniques niqué avec le Tales of. Mais oui, mais oui. Ah, Vas-y, enchaîne. Euh... Ah, oh, putain Telltale Poker Night. Voilà. Maintenant, tous les jeux Telltale où il y a genre euh, Walking Dead, Telltale Game, c'est un, un ça dégage. jeu. Le ah, nom du jeu, c'est ouais. Telltale ah ouais. Carnage. Mais en fait, tous les jeux avec Telltale, genre euh, Batman Telltale Game, ça dégage. Voilà. Parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a, ouais, y a ah plein oui, ils en a, il a, a pas longtemps. Ok. Ouh. Parce que là, je pense. <laughs> bon Après, ça, reste dans les... ça rentre dans les trucs chauds. Là, non, j'ai pas. J'en ai qu'un. Tu... Je passe. Ouais. Tu passes, Will. Oh, j'en ai encore un. Oh, oh là là. Vas-y, Will. Ah, Vas-y, Will. Deux au moins pour pas te faire c'est peut-être du bluff hein. ouais c'est ouais. peut-être du bluff hein. c'est du bluff ouais, je sais bluff. allez tu peux y arriver celui-là dis celui-là ah, dans là. les sous-titres ah merde ouais dans un sous titre à la jambe. ouais ça peut être dans les sous-titres enfin, ouais c'est ça ouais ouais c'est ça en fait c'est les gens il va falloir Alors... pour l'auditeur ça doit être chiant les Tales of ils sont sortis bon bah c'est dommage Brother Hotel of Tucson Brother Hotel of Tucson il y avait Ghost of a Tale Tales from ah bon. Borderlands, Thronebreaker, The Witcher Tales, ah ouais, The Tales Bard from Tales, from Tales, Tales of Monkey Island, oh, ou Tales of the Neon Sea. Ah, ah sorties, ouais, il euh, est sorti l'an dernier, c'est vrai. Mais il y en avait plein, plein, plein. Je souviens. Ouais, il est sorti en 2019. Il y en avait plein. J'ai deux. Messieurs, dames, bon bah écoute, je vais même pas lire le deuxième, puisqu'on a Outer Wilds et un autre jeu. Donc je vais enlever l'autre jeu. Qui l'a dit Non, l'autre jeu, c'est Manifold Garden. Ah Ouais. Manifold Garden c'est dommage hein. ouais. Manifold Garden pour le coup euh, N'oublions pas Manifold c'est les, les papiers euh, <laughs> Qui se mettent un... entre les pages euh, Donc Manifold Garden C'est un jeu d'énigmes et de réflexion dans un univers Où chaque niveau boucle On rentre à l'infini hein. Une chute faisant arriver sur le dessus du niveau Vous pourrez changer la gravité des niveaux Ce qui donnera des situations vertigineuses Mais il faudra garder <laughs> la tête sur les épaules pour aller au bout du jeu voilà. Le niveau des énigmes se complexifiant Franchement même pour moi qui suis un habitué des jeux d'énigmes Et ça tout euh, le hein Ouais, euh, ouais. c'est Je dénim coup de cœur cette année. Hein. Ouais. Ce Alors plaît. on n'en a pas parlé, je pense qu'on en parlera en janvier. Ouais. Hein on n'a pas, mais, mais je pense qu'on en parlera en janvier parce que c'est vraiment vraiment très. Cher. Ouais, c'est cool. Hein. Euh, nous voici donc vomir, arrivés mais... à la dixième place du classement. On va donc refaire un petit tour de, de prix oui. annexe Je vais commencer. Avec le jeu, avec la pire communication. et eh oui, il y a des jeux qui ont des communications euh, nulles, c'est-à-dire ouais. qu'ils n'arrivent pas à faire vendre, et il y a des jeux qui ont des communications insupportables. Les nommés sont ou des communications très bien jusqu'à ce qu'elles soient mal comprises. <laughs> le nommé est Borderlands 3 et c'est aussi le gagnant de Borderlands 3 car souvenez-vous, hein, tout le mois de juin, je pense que chaque événement, chaque vidéo commençait par un trailer de Borderlands 3. Mais en quoi c'est une mauvaise communication de, de Mais c'est du spam oh, C'est du spam C'est comme quand tu mais reçois Regarde, regarde, oui. c'est comme quand tu t'inscris sur un site pour acheter des <laughs> livres et que t'inscrivent sur sur un truc et que en fait t'as, euh, sais pas des cours, des, des, des trucs pour les couches ou des trucs comme ça qui t'arrivent dans ta boîte mail toutes les 5 minutes. C'est du spam. Mais non, mais ça... ouais, allez. je je, je, je... <laughs> oui, allez, mais... je veux pas discuter. Les pubs elles étaient trop cool. Non, ouais. non, la, pub, la pub de ne Me dis pas qu'elle était trop cool. Elle oh. était cool. mais quand tu la vois pour de la 25 e chien... fois. C'est chiant. Bah après, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils te, font la... ils te parlent du jeu six mois voilà. avant qu'il sorte, donc au moins ça te fait pas chier très longtemps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, la, 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 alors la, 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 le mettre a gagné la pire communication de l'année. Ouais. Alors qu'il a fait des pubs trop cool. <laughs> je trouve que ça dure. Quoi. Franchement, euh, je trouve ça dure. <laughs> ben bah William, vas-y. Tu peux, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux continuer avec le... Ah ben bah voilà, dans, dans, le genre, euh, dans le genre mauvaise foi. Non, la meilleure simulation de jardinage. Et là, c'était unanime. Ouais. On a mis Fire Emblem. <laughs> Parce que clairement, dans un jeu comme Fire Emblem, se mettre euh, des fonctionnalités comme aller faire pousser des plantes, ouais, euh, vrai, pêcher C'est insupportable. Aucune utilité, ça prenait des heures. Donc voilà, Fire Emblem a la Emblem. meilleure simulation de jardinage. C'est bien. C est, c est, faut le savoir. Faut le savoir. C'est vrai. Faut le savoir Exactement. Euh, moi, je vais prendre le, bah, le meilleur jeu de hasard. Ouais, le hasard euh, ah. arrive beaucoup dans les jeux. Ouais et euh, donc on a deux nommés c'est Dicey Dungeon et Pokémon <rire> oups <rire> mais ouais c'est le un... meilleur jeu de Pierre Feuille-Ciseau. il y a du hasard oui, mais c'est plus Pierre Feuille-Ciseau. non mais clairement c'est Dicey Dungeon mm. qui est euh, bon gros. il l'a pas fait pour le il est pas dans le top 20 il est pas est dans dommage, le top 20 ouais. mais, euh, mais c'était chouette ah, pour, ouais. un, pour un jeu frais. flash dans le top 20 ouais. non oui voilà non mais c'est euh, il est sorti ouais, euh, cet été on en parlait en septembre dans le numéro ouais. de septembre et c'est clairement genre Slay the Spire avec Dédé ouais mais c'était sympa c'était sympa de Shizel que j'aime bien, mais mmh. <laughs> bon. que je m'écoute dans la bagnole euh, Alors moi, c'est dans le meilleur service, bon le meilleur service de streaming. Oui. Donc en compétition, nous avons donc Stadia, nous avons Shadow, nous avons ouais. Nvidia Go, et euh, le gagnant est donc Shadow. Shadow. Ouais, clairement. Et bien sûr. On a des vraies catégories en fait dans notre. Oui. Ah, ah, Il oui, y a pas des catégories, C'est vrai. Eh hein. hein. bah, ben très bien, merci pour ce deuxième round. De, de de prix nous allons continuer le quiz du gothi Let's Get Back to on, rentre the 10, game. Là, hein on rentre dans le top 10 euh, et et pour la 9ème hein position parlons de Zelda Link's Awakening okay. Remake okay. Okay. on l'a dit, ah. ce Zelda est vraiment à part dans la série, d'ailleurs de nombreux personnages de Nintendo qui ne sont pas forcément des personnages de Zelda y apparaissent, citez-moi en un hein. Mario, non. non les Goomba Goomba les Goombas, ah, effectivement, oui. ça fait partie des oui, personnages les, qui apparaissent dans les nouveaux ouais. ouais. 2D là. What C'est vrai a... ah, Absolument, ouais. dans les nouveaux yes. quand t'es en 2D. Il euh, y avait notamment Peach, la plante piranha, Chomp et Yoshi qui apparaissent dans mmh. ce village. Mmh. Ah, mais mmh. Chomp aussi. Yoshi, Chomp. Ah, vous, ah euh, euh, je, je vais tirer dessus dans le village. Est-ce que vous sentez le Resident Evil 2 des Strandings là Celui-là il va faire mal. On va pleurer des larmes noires comme dans le jeu. Ah ouais, donc on va sortir pour. Comme ça il aura de moins en moins de jeu en fait. Oh Teamfight Tactics. Pardon. Oh, Team Fight Tactics. Ah bah, ouais Je crois que c'est la fin oui. Ouais. Ah oui, oh bah non, ah bah alors... Là Joris, attention, hein. c'est un coup à ce qu'on se fâche définitivement. Et Outer Wilds ah ouais, bah, Outer Wilds c'est quand, un... quand même un... Il est costaud là. Il, il bastonne, soir. hein. Il ouais. bastonne ce soir. Euh... <laughs> j'ai beaucoup aimé Team Fight Tactics. Ouais, ouais. C'est quand même le meilleur des battle des, 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 des chasse je sais, je sais pas, je connais pas les autres en fait. Ouais. Bah, voilà. Ah oui, c'est pour ça. parle pas de... J'ai joué, joué parce que... Non mais j'ai joué parce que c'est Riot, euh, tout simplement. Et que c'est gratuit. Mais Outer Wilds Oui. Bien sûr, Team Fight Tactics. Il est quand même rentré dans le top 10. Il est à la 9 position, absolument. Donc TFT à la 9 position. William, est-ce que tu peux me toucher de barbouilles Oui, mais pas trop, parce que je sais que ça vous gêne un peu que je parlais des jeux de Riot Games. C'est toujours gênant, c'est un Oui, voilà. Non, mais Team Tactics, je me suis battu pour qu'il rentre dans ce top 21 parce que il y en a eu beaucoup des autos de chess. C'est juste pour moi, c'est le meilleur des autos de chess vu le temps que j'ai passé dessus après euh, ça reste juste euh, ok auto chess c'est la mode on refait un jeu à la mode avec euh, notre lore donc c'est pour ça si je l'avais mis dans le top 21 c'était juste pour la blague il est quand même allé jusqu'au top 10 c'est quand même incroyable effectivement c'est un beau parcours c'est ouais. un beau parcours ouais. c'est un beau, beau parcours il aura cramé ton, ton veto j'ai cramé mon veto là-dessus bravo maintenant là <laughs> je suis d'accord bravo de bravo d'avoir fait ce choix j'aurais préféré virer entre chose il c est vrai. quand même allé loin dans ce classement alors euh, on va continuer avec une question sur Contrôle donc, ah. c'est une question euh, numérique. Ah. Donc, vous allez être c'est un contrôle Allez. C'est un contrôle. Contrôle. <laughs> est bien contrôle flash éclair. Moi. Combien ouais. a dû payer Epic Games ah. pour pouvoir avoir l'exclusivité de contrôle sur son store Ah, mince. Ils ont, ils ont parlé dans ah. tous les podcasts, là. Ah ouais, dans tous les... <laughs> littéralement. Hein, dans tous les podcasts, euh, ils ont parlé. Ah non. Sauf N... nous. Mince. Ouais. <laughs> c'est euh... vrai. <laughs> ah, mais nous, on ne parle pas de choses sérieuses. Euh, les chiffres, les chiffres... Ok, moi c'est bon. Ok. Je crois que c'est bon du pognon quand même. Hein. Ouais, c'est des balles. Ah oui, c'est des... des balles. ouais. C'est des, ouais, des gros ouf. Ouais, c'est des <laughs> gros ouf. Ouais, oui, il y a beaucoup de levé. C'est des pokédollars. Alors... Allez, oui, il commence. 25 millions. 25 millions. 25 millions. 3 millions. 3 millions. 6 millions. Mais je crois que c'est trop bas. 6 millions. Et c'était 9 millions 49 000. Ah, ça, c'est du balle, pognon mais... quand même. Hein. Ah, Et coup, donc c'est moi bah, qui Ouais, Moi, 25 pense... millions, c'est de... plus c ouais, un mais transfert mais bon, de joueur de faire de... les justes Ninja 50 millions du coup 25 millions. Eh bah ben oui forcément on va taper la news sur le, ah. le streaming là récemment donc, donc hop les deux sont là, les deux sont là. Bon alors avant voilà avant de se lancer là, dans. c'est le top 8 hein, qui fait mal. Voilà hein. on est dans le top 8. Ah, là ça va commencer. Attends ça commence à être compliqué. Ont... Et chaque jeu va être un déchirement sauf un pour Joris donc <rire> 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 Death Stranding versus disco Elysium. Ah. Ouais mais bon ouais. Encore Ouais, on l'a déjà. Il y a encore il en ah, y a eu un vét... Il <laughs> ouais, y a encore La encore... Pokémon pas ou possible. Ah non, c'est c'est pas possible. Il y a encore Ivo. Euh... Ivo on a ah Ivo, on oui, ouais, ça être. Ah non, c'est celui qui va c'est celui qui va sortir là la dernière On est podcast cop au canap, c'est ce jeu canap là qui Ouais, on se prend pour le mettre en premier Euh Oh là là, alors là, c'est très très dur. Sachant que t'as pas touché à Death Stranding. J'ai pas, pas touché à Death Stranding, dis, mais euh... le truc, c'est que tu m'as donné des frissons rien que d'en parler je... tout à l'heure. Enfin, et je... tout à l'heure. point de la vue de, de Nico face à Disco. Donc, euh... Et Disco, il sera là l'année prochaine. Ouais, ouais. Parce qu'il l'a traduire en français. Voilà. Mais. <laughs> J'ai des frissons. <laughs> Nico. On en reparlera oh, l'année prochaine. <laughs> c'est trop dur. Eh ben, il finira premier en nouveau. Oh, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bon, ben, je vais. Tu sais ce que je vais faire Non, 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 il non, n'y non, 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 a pas de hasard, tu choisis. Oh non, non, il n'y a pas de hasard, tu choisis. Tu assumes, ta, tu assumes ton choix. <laughs> J'y ai, ai pas joué, je suis désolé. Mais Death, joué... oh yeah Death Rending. J'y ai pas joué non, non. et je Et, 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 et des Death Rending, t'as des... joué combien d'heures à Disco Elysium bah, J'y ai joué 6 heures. Ouais. Ouais. Bah, c'est quand, quand même pas mal. C'est un, un déchirement quand même. C'est un déchirement quand même. C'est dur. Ah, si, Normalement, on est top 8. À part Ivo, il y a que des. Non, Ivo, c'est très gauche Tu vois, si t'avais pas utilisé ton. William, est-ce que tu vois combien de Death Rending Oui, Death Rending, c'était mon Game of the Year. Mais bon, ça sera pas pour cette année. <laughs> Et alors que bon, Disco Elysium, c'est un jeu, tu bites parce qu'il parle dans un anglais. Tu... <laughs> Est-ce qu'il parle bon... en anglais <laughs> voilà. Non, Death Stranding, clairement, c'est mon, dé... mon ouais. Game of the Year 2020, euh, 2019. Euh, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Comme je disais, bon, on en a parlé à l'épisode ouais, précédent. C'est hein, en fait. le jeu qui innove par son gameplay, ouais. euh, par euh, ce qu'on te propose. Ouais. Et, euh... et voilà. Testez-le. Accrochez-vous. Ouais. Les 10 premières heures sont peut-être compliquées. Ouais. Mais euh, l'expérience en euh, vaut la chandelle. Le, le, le pire, c'est que je vais y jouer. Je vais y jouer l'an prochain. Et à je suis dégoûté. Et je reviendrai. Je, je te dirai Putain, si j'avais su, ouais, si hein. su. Quand t'auras glissé ta petite larme à la fin du jeu, tu <laughs> <si> je reviendra <laughs> me voir Question suivante. Avant de relancer la mode des jeux en FMV, Sam Barlow a conçu deux épisodes d'une série de survival horror bien connue, laquelle de Survival Horror, bien connu. Oh, Laquelle Non. Il a réalisé deux des épisodes d'une série de Survival Horror bien connue. Ah, ça ah, bon. euh... un... et C'est quoi, c'est un anglais, lui ou ça C'est un... un américain. Ah oh, putain, pourquoi je galère comme ça Resident Evil Non, non. c'est pas Silent Hill non plus. Bah si. Silent Hill Oui. Silent Hill <laughs> Bah du coup, c'est bon, euh, Joris mais, mais la enfin, tu ouais, l'as dit. il est pas sûr dans sa. Non fouleur. mais. Je... Ouais bah oui, bah, j'ai dit Silent Hill. Ouais, <laughs> mais c'est pas. Ouais, pas c'est réalisé par un américain, Silent Hill C'est pas des épisodes canoniques, c'est pas les... les épisodes 1, 2, 3, mais c'est euh, des, des... 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 des spin-offs, euh, notamment sur Oui, euh, Shattered Memory. Allez Donc, euh... tous vous faire en lec. <laughs> <laughs> je vais sortir Zelda. Bah oui, pourquoi pas. Vas-y, vas, -y, reste. vas, ouais, vas Franchement, vas franchement euh, Zelda c'est un moindre mal. Pantouin, tu restes dans tes villes à Outer Wilds Putain. Allez. Alors, Joris. Ça va pas être. Oh 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 Oula, il, <laughs> il, il y a Zelda, je pense. Nous avons raison, t'es 2. <laughs> et Zelda ah, oh, c'est vrai Le plus beau scénario que tu l'as c'est, Le Zerf, si ça, c est... C est, c est... ouais, c'est comme ça que tu l'imaginais C'est enfin. comme ça Le... que j'imaginais. J'ai envie de chialer. J'ai envie de pleurer. Donc, Joris. Avec toutes ces injustices que j'ai vécues depuis longtemps. Et je sors Zelda, bien sûr. Bien entendu, Zelda, Links Awakening Remake qui prend donc la 7ème place. Euh, je crois que c'est moi hein, qui avait le pitch. Ah, ouais. ça de Zelda Links Awakening Remake. Qui a eu droit à son remake cette année sous la forme d'une refonte graphique en profondeur. Le jeu original, par contre, n'a pas bougé d'un poil. Ouais. Euh, si ce n'est quelques améliorations dues notamment au fait que, bah, que la console a changé qu'il y a plus de boutons. Euh, mais sans ça, les sensations sont exactement les mêmes et on retombe avec plaisir dans ce classique de la Game Boy qui termine donc à la septième position. La seule reproche c'est que c'est les donjons, genre c'est pareil à la casse près quoi. Non, ah a ouais, il ouais, ouais, y avait des features ouais. en plus, les ralentissements. Oui, <laughs> c'est vrai qu'il y avait le lag. Il n'y avait pas encore Ok. <laughs> Juris. Prochaine question. Donc, on va continuer sur la question de Blasphemous <coughs> okay. euh, ça, Dans Dark Souls, ouais. quand on meurt, on doit revenir sur le lieu de son décès pour récupérer son XP. Dans Blasphemous on a le même principe, mais ce n'est pas l'XP que l'on récupère. C'est la foi. C'est les âmes. Alors, attends. Le mana La foi ah ouais, voilà. le, non, mais... le mana Le cas Le qui ouais. le... Ah, le mana L'esprit Ouais, esprit. ouais ah, non, mais c'est ouais. ça, c'est la foi en fait. C'est le mana, ouais. C'est le foie à mana, c'est pareil. D'accord, William. En fait, j'ai eu un doute parce que je sais plus. Parce que je, c'est dans, non, c'est dans Dark Devotion. T'as un système de foie, en fait. Oui, c'est vrai. Plus du mana. Ouais. D'accord, William. Ah oui, il veut. Ouais, eh oui, il est un il peu. Il veut loin. la casserole magique. Mélange lui. Faut la Mélange lui. Faut la... non, il en reste plus beaucoup, hein. Ah ouais. non, il bah là, plus là, bah plus, bah là. On, est, on est dans les 6 premiers. Ouais, hein, mais... il en reste 6 du coup. <laughs> oui, les 6 premiers. Non, mais c'est pas vrai. Encore raison ont r Oh, face enfin, euh, à. Alors euh, Resident Evil 2. ouais, ouais non, c'est pas possible. En face de Baba Is You. Ah. Ah, ah bah ça c'est intéressant tiens parce ah. que pour le coup il y a difficilement deux jeux qui graphiquement sont autant opposés cette <laughs> année ouais, ouais, que Baba euh, Is You euh, au niveau Et de vous... tout en fait. Alors au niveau <laughs> de tout, mais principalement Alors, ce... ça va. Moi ouais, pas ça me pas faire... va. Ça va pas faire hum. plaisir à Joris, mais, non, mais de ouais, je vais sortir Resident Evil ah. ouais, ouais, parce que je peux pas mettre un game of the Ring dans un remake. Eh ben, ouais, ah ouais. Je trouve ah ouais. ça logique, même ouais. si je trouve que c'est un très bon remake et que oui. bah, c il va pas dans, dans l'erreur le, de non, Zeta ça, de prendre ouais, le jeu ouais. tel quel et de le. Ça me fait mal pour vous. Non, les mais c'est un, euh... un bon remake, mais tu peux pas mettre un Game, ouais, ouais. Game ouais. of sur ouais. un jeu qui est refait. Il n'y a pas de création. Il en reste des jeux que je kiffe là-dedans. C'est vrai, John, t'es trop bien, quoi. Ah, yes, je vais poser une question. Ouais. bien. Bah, putain, ça va chaud maintenant. Ah, ouais, ça va être compliqué. Oh, celui-là, j'aimais bien aussi. Death Stranding. Qui est sorti. Qui est sorti, Désolé. Une fois, euh, là ça va être euh, comment dire ça va être des euh, merde, comment, comment <laughs> dire une question des enchères ah ah, ah, ah oui ah, c'est stylé ça ouais c'est stylé alors. combien d'acteurs pouvez-vous me citer dans Death Stranding c'est qui ah. qui commence euh, alors je commençais par John je vais, je vais changer Joris Est-ce si on, si on voit leur tête et qu'on ne pas leur nom ça marche pas je trouve Donc, que enchères, non. on peut faire alors, plusieurs enchères hein. ça va être je dire, ça va être du casting au pire si au niveau du nom c'est pas appelé parfaitement J'accepterai. Allez, ça va. Non, non, mais je, je, je peux pas. J'ai aucun nom. Non, mais je... Tu m'en je... as cité deux, rien que les meufs. Oui, mais je connais pas leur nom. Ah, oui, je, je, une seule, ouais. Bah oui, je peux en dire deux. Ouais. Deux <laughs> C'est déjà pas ouais. mal. Tu déjà bien, tu peux commencer <laughs> par ça, tu vois. Donc deux Non, non, mais parce que je vois tous les acteurs, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Je vais partir sur trois. Quatre. Attends. Dis donc, avec un aplomb euh, phénoménal. T'as encore des questions, toi Ouais bah comment... je... non mais en fait <laughs> j'en ai fait j'en ai fait que 3 hein. pourtant tout... bon, j'en ai préparé 7 donc je suis bah, je suis bien Là, bon. je... non mais je suis très fini mais non non je vois F tous les acteurs 5. mais j'ai pas leur nom non. non non moi pareil je vais te laisser à 4 attends alors euh... ok je commence il y a Mads Nicholson. ouais, euh... ah, ouais, voilà. ouais. Léa Seydoux ah, bah, c'est bon, ouais. Ouais. Euh... Norman Ridus, ouais. Guillermo ouais. del Toro ouais. 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 la meuf de la pub Kenzo <laughs> euh... Margaret Kelly <laughs> Voilà, ah, une autre vrai, meuf qui est blonde, un peu plus vieille. Lindsay Wagner. <laughs> c'est celle-là. Après, je sais pas. Y en a le Black, uh, Tommy Earl Jenkins. Il oui, y a je sais euh, pas qui. Non, euh, après Go les autres. Geoffrey, les là. Bon, non, ben, non, Le gars moins... des Gotys, là, des Geoff Geoff Game War. Voilà, Ghost Ah oui, ah, oui c'est vrai, c'est vrai. vrai. C est c est vrai. vrai. <laughs> Et voilà. Et eh bien, John, 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 ouais Pour dire le casting de Death Stranding. Ah ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Oui, que tu arrives à donner 4 noms, c'est que le casting est Disco contre Uther Ouais. Arrive à citer un autre jeu où tu as cité le nom de. Ah non! J'ai Baba Izu face à a Plague Tale Innocence. Ah, ah bah tiens, euh, c'est Baba Izu qui sort. <rire> <rire> non mais, non mais je, je, il, je, je... il est déjà allé assez loin. Hein, si non mais j'ai mes kiffé eu, les ouais. deux, euh, mais le Plague Tale, il y a, y a eu mon petit coup de cœur, vraiment. Je... Putain, il va loin, le euh, bah, -I's ouais, Et il se sera battu en plus. Hein. Bah, ah, bah, il il, il joue, se sera battu. Aussi, hein. bah, et Ivo, Ivo qui rentre dans le top 5. <laughs> bah, -I's <laughs> il peut le... finir avant le jeu. Le, le pire, le bah, je l'avais pitché. Et en fait, c'est un... un puzzle game euh, très méta. Parce qu'on joue Baba, ou des fois on joue les murs, des fois on joue les rochers. En fait, c'est on déplace des blocs qui sont des mots-clés. Et donc, on peut changer complètement les règles du niveau en fonction de ça. Et c'est très, très, très. Euh, ça te fait fondre le cerveau. Voilà. Mais c'est très prenant. Très bien. Je merci dis. beaucoup pour cette oraison funèbre très très émouvante. On va passer au carré final, mais avant ça, une petite salve de remise de prix pour débrayer, parce que là, il y a de l'attention. Là, y a de l'attention. La William, c'est toi qui vas commencer avec la me... le meilleur jeu pour son gamin. Oui, voilà, le meilleur jeu qu'on peut filer à son gamin. Est-ce que euh, c'est euh, Zelda: euh, Link's Awakening, Luigi Mansion ou euh, Yoshi? Alors, moi, mon cœur clairement penché pour Yoshi. Quand je l'ai vu là, euh, les graphiques et tout, euh, mais je pense qu'un bon Link's Awakening. Ouais. Euh, Zelda, pardon. Euh... Ouais, Zelda, ouais. Zelda. Bah, Link's ouais. Awakening. Ouais, en fait, l'avantage de Yoshi, c'est que tu peux jouer à deux, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, pour un jeu. Pour... Pour, bah, par... Si t'as pour... deux gamins. Non, non, mais, si je, je, dit... deux non, gamins, <laughs> mais je veux dire, tu peux, tu, pour jouer avec ton ouais. gamin, tu non, peux jouer, pour jouer, jouer avec lui. Pour vrai. Jouer avec ton gamin. Mais c'est vrai que Zelda. c'est Le Zelda, c'est le genre. Mais voilà, quel jeu tu dois donner à ton gamin si Ok, un peu genre premier son, jeu, son premier joué. jeu d'aventure sur ouais. si ouais. le premier ouais. jeu. Vrai. Ça peut être Je très, très, très il a très ce ça. côté. Et premier. Enfin, Il peut très bien être un premier jeu. Oui, de toute façon, en plus, ce qui est cool avec les mains, c'est qu'il ne voit pas les, tous les problèmes techniques. Quoi. <laughs> euh, mais il ne verra pas que ça. Il ne hein. pas patcher, bordel. Il n'y a <laughs> pas de ralentissement sur le ah, premier Il, il, il euh, Joris. Euh, ah oui, alors moi, c'était la meilleure BO. Oui. il y a match. Donc là, il y a match, mais il y en a quand même un qui sort du lot, c'est Outer Wilds. Ouais. Juste pour la BO d'intro. Ouais, euh, juste cette musique là qui te reste en tête. qui ouais. reste en tête qui te qui te qui te qui pas qui te hante mais qui te tu te transporte en, en fait quand, tu le, quand je l'écoute genre à direct le ciel, tu vois ouais, ouais, genre en ouais, mode ouais, putain mais j'ai envie de partir à l'aventure tu vois ouais, et, vrai et euh, mention spéciale à, à Des Stranding mm -hmm. parce que je peux pas l'enlever parce que c'est la, la tout, juste la première musique que l'on a en jouant ouais. c'est la première musique qu'on a quand on porte le sac et qu'on se balade et c'est là où je suis resté 45 minutes à observer le décor juste avec la musique. Et ah Ça m'a ça, ça ça fait... J'avais euh... envie de chialer, tu vois. Après Death Stranding, euh, je comprends qu'ils ne gagnent pas parce que ça n'a pas été composé pour le jeu. J'ai vu justement des news où ah c'était... Oui, oui. Hideo Kojima qui avait entendu ces musiques d'un groupe islandais, etc. Donc en fait, c'est pas... Euh, ils n'ont ben, pas... En fait, ça matche bien. Ça matche bien, exactement. C'est magnifique. Je pense mais... que c'est une musique que je peux l'écouter en dehors du... pendant que je bosse. Ouais, mais été je, je pense que, que ça, a été, euh... dire, ça a été écrit pour lui. Oui, le oui, jeu. bien sûr. Oui. Non, je mais je pense, je sais pas. Je, je... Oui, oui, ça a été écrit. Ouais, ouais donc voilà, c'est donc oui, pour oui, ça, ça que ça, met, ça mérite époir, clairement son. Ça mérite. Ça. Euh, bah moi, je vais remettre le Beer Grills Award ouais. ou euh, la meilleure adaptation de Man oui. Wild. Donc, il y avait un seul nominé, euh, nominé c'est Ancestors. Donc, on n'a pas parlé d'Ancestors qui est sorti l'été dernier. Oui, oui. Donc, le, le jeu de Patrice Désilé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est clairement, c'est. C'est une simulation de, 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 de des premiers hommes. Donc on départ en mode singe et c'est euh, comment faire du silex, comment, comment faire une branche, évoluer, faire évoluer une espèce. J'ai joué quelques heures et ça m'a bien épié. J'ai pas eu le temps de jouer plus, mais j'aimerais bien m'y remettre pour euh, essayer d'aller plus loin. Pareil, il Faudrait que je m'y remette, mais tu dis, putain, faut, ouais, faut, un peu faut se plonger dedans. Pareil, il a échoué pas très loin de, du top 20 hein, Il hein, a failli être dans il, le ouais, top, il a failli être hein. devant. Et pour moi, le pire rapport qualité-prix va sans conteste à Anthem. Voilà. Ouais, Puis, euh, il fallait qu'il en ait un. Voilà. C'est-à-dire, que c'est un, euh, voilà, c est, c est -à -dire un jeu qui euh... est sorti complètement flingué, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt de plus que tous les autres jeux qui existent, qui sont des jeux de service. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, je sais même pas. C'est de... pas, pas, pas un super gros succès commercial. En fait, ça a bien marché parce que ça reste un AAA avec des moyens de communication d'un tripleur Ouais. Donc, t'en vends comme un AAA, c'est comme un Fallout oui. 76 ou quoi, tu vois. Mais, mais, mais il n'empêche que maintenant, tu vas sur Anthem, il y a plus grand monde quand même pour, pour s'y balader. Ça ouais. une semaine. Donc, dans euh, dans ouais. En plus, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de faire une sorte de reboot. Euh, de... de reboot complet du truc, j'imagine en free to play. Enfin, tu vois, c'est <laughs> très compliqué. Donc voilà. Ouais, c'est mal barré. Hein. Ouais. Je, je pense. Fallout 76, il aura mérité sa place. Ouais, Fallout 76, mis. ouais. Mais, non, mais il l'a pas mis parce que c'était l'année oui. dernière. C'est vrai. Mais, mais oui, mais, mais euh, mais On oui, euh, oui, euh, il faut en parler. Faut en parler 76, là, et parler et ça, mais... ça c'est pas dans la pire communication. <laughs> Fallout 76, ouais. c'est pas. Oui, ah bah, vrai. ça aurait gagné. Ça aurait gagné. Mais c'était l'an dernier. Messieurs, dames, nous voilà dans le carré. Final. Moi, euh, wow. Je ne veux, ah, okay. ah, oui, <laughs> veux pas avoir à faire ses choix. Quoi que si. si ouais, il si y, 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 y a Ivo. Ouais, ouais, moi aussi j'ai un gagnant. Je me bats pour lui. Donc, je me battrai pour euh, lui Voici un avis de Plouk. Ah Trouvons le jeu. Oh, ça c'est bien. Ah, voilà, c'est tout. Euh, c'est euh, parti top 20 Je vous dirai à la fin si c'est. Bah, de toute façon, vous verrez si c'est le top 20 ou si ça fait partie de près ou de loin un jeu du top 20. D'accord. OK. Non mais bah sinon c'est trop simple. Ah eh bah oui, bien sûr. Que ah bah du coup, ouais, en enfin, en gros, c'est soit top 20, soit pas top 20 quoi. Bah c'est un, un jeu quoi. <laughs> c'est un jeu. Voilà. C'est un jeu. C'est chez <laughs> <'est> ch <laughs> ch <Non. rire> Alors, euh, c'est parti. Aucune prise de risque. Des mécaniques de jeu vues et revues, une sensation de liberté inexistante au niveau de la map, du déroulement du scénario. Bref, une déception Control. totale. La direction artistique est discutable, les visages ratés. Je vais faire une demande de remboursement En thème. En thème. Je l'aurais payé 20 euros, je l'aurais peut-être gardé, mais là 60 balles, je vis ça comme une arnaque. Je vais retourner sur Disco Elysium. Certes, c'est. Ah, Outer Ward. Ouais, Outer Ward. Joris. Je vois ton cœur qui bat à travers la poitrine. Non, c'est juste que je suis un peu gros. Non, non, pas du tout. Bravo, Jojo. Bien, joué. Allez, c'est pour moi. Élire. Oui, il était dans notre on pas sort, dans le top 20, mais il était sort, dans le. On sort quoi On sort, qui on bah, sort quoi On sort quoi On a Ivo, on a le Plagtail, sors Ivo. On Et a Là, 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 là. Ouais, c'est. Ouais. vrai. Il y, a... il y a des ouais. choix. De... <laughs> le top 3. Donc euh, quatrième, Ivo Ivo. C'est une petite euh, William, pardon. Ouais, alors Ivo pour moi c'est le jeu canapé. Euh, 2019, de l'année ouais, clairement est il, est, il, a, il a bien sa quatrième place je suis content qu'il soit allé aussi ouais pareil parce que clairement on y a joué que quelques fois on a bien rigolé <laughs> ouais. non mais je sais pas ah bon c'est le jeu c'est le jeu t'as deux touches quoi t as ouais. même pas t'as as le joystick et tu t'accroches oui. avec tes mains oui. c'est super accessible c'est pas pour autant que c'est facile non. Ah, non, ah, c'est pas pour autant que c'est ah, facile mais je veux dire, le fait qu'il y ait très peu de, de comment dire niveau, niveau touche ta copine peut y jouer, ton gamin peut y jouer. Franchement, c'est super ton simple on y a... Ton chien hein? peut y jouer, ouais. Ton chien peut, un jouer, vote tu jades, peut y jouer. <laughs> c et euh, et c'est des, des grosses marades quoi. C'est des grosses bah, marades. Ouais, bah, tu peux couper. <laughs> Mais ouais, ouais <laughs> exactement. Et alors, en plus, pour le coup, c'est fait par un studio français. Donc, est... Voilà. Enfin, on n'est pas studio français. On deux si vous... studios français dans le top 4 si, si vous cherchez un jeu pour faire une petite soirée comme ça pour vous amuser. Messieurs dames. Oui. Médaille de bronze cette année. Une question. Attention. Moi j'ai des questions très simples, hein, contrairement à John. Alors, <laughs> euh, ça va aller très vite. Je demande à John et Will de bien se concentrer sur ce que je vais dire. Il va y avoir dans ma réponse deux réponses, ok Donc ne commencez pas à dire la première si vous n'êtes pas sûr de la deuxième, pour pas donner des indices à Nico, par exemple. C'est ça que je veux dire. <laughs> ah ouais, ouais. ouais c'est un peu comme le coup d'avant, en fait. Euh, voilà. Ton dernier coup, ça va, être... ça va être une question sur Resident Evil 2. Ouais. Je veux juste le prénom des deux héros principaux jouables. Et je veux les deux. Tain, je sais plus comment il s'appelle. J'ai la meuf. Oh, j'ai le mec. <laughs> Mince. Jill Non. Ça, c'est le 3. Ah, mais c'est parce que je l'ai eh entendu oui. dans le trailer eh tout oui. à l'heure. Pareil, j'ai que Jill en tête, là. C'est peut-être un, ouais, peut un peu... Lucie compliqué. Non. Attention, c'est les deux. Hein. ouais ouais ouais. ouais non, mais j'ai le que... mec et, la... et William ouais. l'a pas, donc je me le garde. Ah, voilà. Okay. <laughs> euh... Sarah Non. Chuck Ben Non. Alors... Euh, je vais donner le, un indice sur le prénom du mec. Ed, Eddie. Oh, le non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai pas. <laughs> Il a pas le nom de la meuf. J'ai pas d'indice sur le prénom de la meuf. Alors, le, alors, je vais donner le nom de famille de la meuf. D'accord. Ouais. Non, c'est pas cool. Alors, attends. Je vais donner les deux indices très vite. Le mec, c'est le, le c'est le nom d'un film et la fille s'appelle Redfield. Jessica. Non. Lena. Non. Lia. Ed. Non. Oh, Sarah. D'un film. Non. Ouais. Jack. T'as connu un film qui s'appelle Jack Non, mais c'est un peu. Ça... Chris and Claire. Claire et Léon. Oui. Bout <laughs> Léon <laughs> William. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis 90%. Il ramasse tout merde! Oh, <laughs> <la> merde. <laughs> putain! C'est génial! Dors ce jeu! Ah! Euh... <laughs> oh, putain! Oh, okay. ok, bah très bien, bah ni quoi toi? Bah oui, du coup, <laughs> j'avais aucun <laughs> des deux! <rire> <rire> ouais, on l'a vu dans, dans son rôle. Moi ouais, j'avais que Chris, mais, mais j'aurais bien, bien voulu qu'il se trompe, il se trompe, oh, mais se trompe oh, et toi t'arrives, tu dis n'importe quoi. Claire Léon ou. Euh... Non. Non. Tu sais, qui Chris et Léa? Ah non, c'est Claré Léon, non? Putain, Léon, mais je le savais en plus. Putain, un pauvre Will. Ah ouais. Oh là là, c'est terrible. Euh, Outer Wilds et Disco Elysium. Bon, allez, bon, coup, allez on, on hein. en finisse. On grave. en on finisse C'est pas grave. Disco Elysium qui s'en va pour laisser place à Outer euh, Wilds. Ouais, un petit 3. mot sur Disco Elysium 3. quand même, Disco top 3 On va dire RPG d'enquête, Point Je vais pas lire le jeu de l'année. et Ouais, en fait, il reste que. Ouais. Donc, ouais, Disco Elysium, c'était un RPG d'enquête. ça va Will. Euh, <laughs> je dis, je vais pas voilà, Autorose, un peu façon mais point and mais... click on très fait. très très barré et euh, <laughs> hyper prenant parce que hyper intelligent euh, on ressent vraiment des mécaniques de, de, de JDR euh, donc euh, vivement la traduction c'est en français ouais, cool. mmh. ouais, ouais, parce ça, 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 ça par contre euh, ouais, si sort en français on va, le, on va le fumer le truc ok messieurs ah, dames l'heure est très très grave ah, puisque ça y est c'est le dernier duel et qui va le disputer c'est maintenant qu'on va voir avec cette question c'était facile quand même. On avait tout. On est. Autant dire, il est loin parce que tout le monde, enfin, nous trois, on le voulait quoi. Ah oui, oui, c'est facile. Ah oui, bien sûr, mmh. euh, absolument. Ouais, ouais. Par rapport à l'année dernière, où c'était plus en euh... plus. Mmh. La, la dernière question de cette cérémonie du jeu de l'année 2019 pour Telling Lies. 100 heures de vidéos ont été tournées au total, mais combien d'heures de vidéos sont au final intégrées dans le jeu C'est une question numérique. Vous allez devoir la noter. Combien d'heures de sens. vidéos Alors. De 0 à 100, mais j'ai pas envie de donner trop d'indices. Mais oui, effectivement. <laughs> Et même 0, tu vois. 100 heures ont été tournées. 100 heures ont été tournées, mais uniquement... Oh, j'allais le dire. <laughs> Quel <0. rire> Mais uniquement un nombre a été... Euh, ont été gardés dans le jeu. Combien au total C'est le plus proche qui aura le droit de disputer le match final. Je... Même moi, je suis très stressé, hein. vraiment. Hein. Ok. John, 22. Will, 65. 8. 10. C'est joli. Yes, ah non! Yes, Non mais en fait, ça me dérange pas même. Messieurs, alors attends, 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 On va, on va laisser le suspense. Alors, dis-nous quand même le duel final. Ah oui. Dis-nous le duel. Désolé. Il n'y a pas de suspense. Oui, c'est ce que tu as dit. Et nous avons pour le duel final A Plague Tale, Innocence et Outer Wilds. Alors, Jory, c'est une, une, euh, une décision très difficile et, et lourde de conséquences. Oui, Donc, oui. je vais te demander de bien y réfléchir. Je vais faire le récapitulatif jusqu'à présent. Nous avons eu en 21e place Sekiro. En 20e place Children of Morta. 19e, We Mansion 3. Suivi 18e par Borderlands 3. 17e, le Pokémon. 16e, Telling Lies. 15e, Gridfall. 14e, Control. Suivi par Blasphemous. Et Katana Zero à la 12e place. 11e The Spire 10e Manifold Garden 9e Teamfight Tactics 8e Death Stranding <laughs> Zelda: Links Awakening Remake Resident Evil 2 à la 6 place Baba Is You 5e 4e Ivo 3e Disco Elysium Joris, Quel est le jeu de l'année 2019 par Coop et Canap Et le jeu de l'année 2019 élu par Coop et Canap est Outer Wilds. Oui, oui, oh c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Bravo, bravo, Therese. bravo, bravo. Très, voilà. très belle, euh, très belle cérémonie, de très belle tenue. eplectel euh, <laughs> donc qui joue Outer Wilds quand même. <rire> bah, <rire> oui, tu dis ça depuis six mois. <laughs> donc Euplaktail deuxième et Outer Wilds premier et il le mérite. Très sincèrement. Oui. Euh, J'avais préparé un petit pitch. Euh, tu veux peut-être ouais, me euh, Donc C'est le, le, le dernier jeu de, de Assobo Studio, le studio bordelais. Et euh, on, en gros, on incarne une, une sœur et, et son petit frère qui doivent échapper à l'Inquisition euh, durant, durant le, le, le Moyen Âge, parce qu'il y a la peste et tout ça. Mais ce qui est impressionnant dans ce jeu, c'est surtout que la peste est symbolisée par des rats, des nuées de rats. Et, euh, et c'est incroyable à ce niveau-là, techniquement. Mmh. Et l'histoire est folle. Vu la taille donc, de ouais. l'équipe, c'est vrai que c'est un. Voilà, vu la taille de l'équipe, c'est un, voilà, un petit studio. Donc l'histoire m'a vraiment hypé et je suis très content qu'il soit top 2. Et top 1 donc, Outer Wilds, qui est un chef-d'œuvre d'exploration développé par trois étudiants qui nous a clairement mis des étoiles plein les yeux cette année, en plus d'une bonne claque dans la gueule, il hein, ouais, faut bien le dire. Euh, sorti sur toutes les plateformes euh, PC, euh, euh, PC, Xbox et, et Play 4. Oui, il vient de sortir sur oui. Play 4. On incarne un petit alien à six yeux lors de son tout premier voyage dans l'espace, sauf qu'au bout de 22 minutes, une catastrophe arrive et l'univers est entièrement détruit. Revenant ainsi au début de cette boucle de 22 minutes, il faudra donc comprendre les enjeux et sortir de cette boucle pour terminer le jeu Outer Wilds et donc le jeu de l'année 2019 après ouais. Céleste Outer Wilds on a vraiment deux on a, on a, ah, on a gros des gros bons hein. goûts. on est on est on est, est des gens de magnifique goûts. voilà euh, messieurs dames, merci infiniment de nous avoir suivis encore cette année. Vous êtes, je sais qu'on le dit à chaque fois, de plus en plus nombreux à nous suivre, donc ça nous fait énormément vrai, plaisir. Vrai, ou plus oui oui c'est vrai, non mais vrai. on a, on a ouais. commencé à faire des graphes un peu pour ouais. et c'est vrai, <laughs> la, la, les courbes montent. Donc, euh, donc voilà, merci merci beaucoup pour votre soutien, merci merci d'être de plus en plus présent On espère que bah, voilà notre Christmas special euh, les contes du canap euh, vous plaît. Euh, vous aurez le prochain épisode des dimanches donc euh, donc euh, ne soyez pas impatients bande de petits coquins. Euh, mais mais voilà, euh, nous, on est, on est toujours ravis de faire, de faire ce podcast. Euh, on espère bah, qu'on continue de vous plaire, qu'on continue de vous divertir. On se retrouve en 2020, sans doute fin, fin janvier, un truc comme ça. Mmh, D'ici ouais. là, bah, portez-vous bien. Surtout, amusez-vous. Ciao, ciao. Salut. salut à salut bientôt. bientôt. Bye, 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 bye. Bye, bye. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Ça fait que 5 ja, heures qu'on est en